Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce stream sur AstroTerre, sur le développement d'un jeu de rôle tactique en 2D inspiré par l'univers de Minecraft. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon vendredi, que vous êtes prêts pour ce week-end. Il commence. Salut Samduk, salut Charivari, salut Emrinvest, salut Sportek, bienvenue à toi. Ça commence quand? Ça commence maintenant. Et donc, bienvenue à toutes et à tous. Bon, j'ai une chose à vous montrer, mais de cette chose découle plein de petits trucs que j'ai fait le week-end dernier, parce que j'ai pas eu le temps d'ouvrir AstroTerre depuis dimanche dernier, mais je vous les avais pas montrés, puisqu'on n'a pas fait de stream sur AstroTerre mercredi, donc ça me fait plaisir de vous montrer ça. Et Mimi, j'arrive dans 5 minutes, parfait, et bienvenue à toi, Mimi. Allez, je vous montre ça. Hop, on se met en mode plein écran. Je lance le game. Et je vous montre ça. Alors, voilà ce que ça donne. Je vais couper le son. Je vous laisse profiter. Donc, le creeper arrive. Rien ne se passe. C'est à moi de jouer. Je vais tuer le creeper pour pas qu'il me tue. Hop, et je passe le tour. L'autre creeper va jouer, très bien. Et là, petit lancer de dés, je vais tuer l'autre creeper pour qu'il ne me tue pas. Hop. Le zombie rejoue. Hop. C'est à moi de jouer, je vais me déplacer juste pour plus être dans la croix. Je laisse le zombie rejouer. Le zombie m'a attaqué deux fois. Je passe le tour. Allez. Voilà, il m'attaque encore. Voilà, je vous laisse profiter. Voilà, voilà. Et là, je vais pas le tuer. Je gagne la partie. Voilà. Voilà. On peut le refaire si vous voulez avec les creepers pour voir ce que ça donne quand c'est les creepers qui font les dégâts. Hop. Donc le zombie m'attaque, très bien. C'est à moi de jouer. Donc ça va être à quel creeper de jouer d'abord? Ça va être à lui. Donc c'est lui qui va exploser. Donc si je me mets là, normalement il explose, mais moi je prends pas de dégâts. Hop. Et voilà, donc là il a lancé 3 dés. Il aurait pas dû se déplacer, tiens j'ai un petit bug. Il aurait dû mourir et pas se déplacer. Ah j'ai un petit bug. Bon, fin du combat, j'ai gagné quand même. Mais voilà. Je constate juste une torture inqualifiable sur un personnage. C'est du GDScript, le langage spécifique de Godot, effectivement. Moteur de jeu que j'utilise. Donc voilà les amis. Alors c'est ressemblant à du Python, mais c'est pas du Python. Donc j'espère que voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi je suis assez content du truc. Je ne vous le cache pas, je trouve que ça rend bien. On peut encore peaufiner, affiner la chose, hein, mais
Ah mais je vais aller mourir là en fait. Voilà, le zombie, et voilà, je suis mort. Bon, là, je suis mort, il n'y a pas eu les lancers, donc on peut encore affiner le truc, mais c'est beau, hein, tout ça, ouais, c'est beau. Pas beau, hein, c'est beau, tout ça. Enfin, voilà, donc bah, je suis très content de mes petits lancers de dés. J'espère que ça vous plaît quand même, parce que franchement, ouais, je suis content de ce que ça donne. Du coup, il a pas compris. Il a pas compris. Donc en fait, maintenant, on a une zone de lancer de dés, vous voyez, qui est ici, sur l'écran. Et cette zone de lancer de dés, en fait, c'est une... comme vous pouvez le voir ici, c'est une box container avec une hashbox. C'est un hashbox container. Donc une horizontale... mais si j'ai compris. Bien sûr que si j'ai compris. C'est une zone où à l'intérieur de cette zone vont pouvoir apparaître les dés. Et l'avantage, c'est que vous avez vu, même quand il y a plusieurs dés, par exemple quand il y a les creepers qui lancent 3 dés d'un coup, ou quand il y a le zombie qui attaque 2 fois de suite, vous avez vu que les dés, automatiquement, ils se placent au bon endroit sur l'interface, ils sont centrés et ils se décalent si jamais je fais apparaître d'autres dés. Donc ça, c'est cool. Et en fait, avec ce script-là, tout simplement, donc c'est un petit script, hein, je vais récupérer un signal à chaque fois qu'il y a un lancer de dé, et ce signal va faire apparaître un dé. Et en fait, le dé qui apparaît, c'est une scène à part entière, hein, qui s'appelle Dice Pop-Up Window. Donc Dice Pop-Up Window, on va l'ouvrir. Et cette scène-là, en fait, hop, et bah, en fait, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Parce que je suis pas dedans. Pourquoi il n'y a rien? Ah oui, c'est à cause de l'animation. Donc elle a une animation. Voilà, exactement. Hop, et elle ressemble à ça. Si je mets l'animation, c'est pas la bonne animation. J'ai fait carrément une animation complète de lancer en fait. Avec apparition, disparition. Donc hop. Voilà. Et donc ce dé-là. Eh bien, à chaque fois que je lance un dé, je crée une scène qui apparaît dans le container que vous avez vu. Et en fait, le script que je vous ai montré, pas celui-là, mais peu importe, l'autre, celui-là, il crée la scène et en même temps, il change les valeurs qui apparaissent sur le dé. Les valeurs 17, 1 des 20, plus 12, salut loulou. Donc ça change ces valeurs qui apparaissent, tout simplement. Et donc en termes de script, c'est assez simple. Et là, au niveau de la pop-up, en termes de script, changement de la texture de dés, parce que là, vous avez vu que les zombies et les creepers lancent des D4. J'avais fait le D20 aussi. Salut. Plein de choses. Ça, c'est pour afficher, donc changement l'affichage des infos du lancer du dé. Et puis, ça, c'est pour émettre des signaux quand le dé est lancé. Et vous avez vu que quand le zombie attaque maintenant, il n'attaque pas instantanément 2 fois. Il attaque, il y a le lancer de dé. Et puis, quelques secondes après, hop, il y a un nouveau lancer de dé. Et en fait, c'est parce que j'utilise, voilà, lancer terminé. Et delete node, j'ai une fonction aussi pour supprimer les dés quand toutes les animations sont finies, en fait. Le concept est racheté par moi, genre. Et rigolez pas, j'ai peur. J'ai peur quand ils vont nous annoncer des trucs. J'ai peur qu'un jour ils nous annoncent un jeu 2D. Un jeu, pas 2D, mais un tactical RPG, quoi. Parce que moi je trouve que l'univers de Minecraft il s'y prête tellement. Ils ont déjà fait un hack and slash, ils ont déjà fait des jeux à scénario type Telltale. Moi j'ai peur qu'un jour ils nous annoncent ça. Alors j'ai peur, ça me ferait plaisir d'y jouer, mais. Et puis moi mon concept c'est vraiment un jeu fan, donc c'est pas du tout l'équivalent d'un projet commercial, loin de là. Mais ça me ferait suer quand même qu'ils aient la même idée. Parce que forcément, mon projet à moi, il paraîtrait pompé dessus et complètement...
pourri par rapport à ce qu'on peut faire en termes de jeu commercial, donc ça m'embêterait un peu, quoi. Mais bon. Donc voilà, au niveau de l'animation, au niveau du son. Ah oui, et merci du coup pour le son. Qui m'a envoyé le son déjà? Qui m'a envoyé le son? Et je remets le son. C'est Wamien qui m'a envoyé le son. Qui est extrait d'un site connu dont j'ai oublié le nom, mais où on peut avoir des clés. Attendez, c'est Kerné, je crois. Ouais, c'est ça. Kiné. Kiné. Kni. Ou Kini. Kini. Je vous mets le lien. Et en fait, il y a plein de sons gratuits, libres de droit. Donc, j'ai extrait juste le son du lancer de dés qui m'intéressait. Et voilà. Et voilà, et voilà. Donc, je suis assez content. Et je vous remets la musique. Du coup, on se refait une petite démo. Donc, je remontre pour ceux qui viennent d'arriver. Quand on a maintenant des créatures qui attaquent, là, les creepers, ils chargent l'explosion. Donc, pour l'instant, il se passe rien. Mais quand on a des créatures qui attaquent, il y a maintenant des lancers de dés, voilà, qui apparaissent visuellement. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Et donc là, on va voir le zombie attaquer deux fois. Voilà, il fait ses 2G. Qui apparaissent, voilà. Donc je suis très content du rendu. Dans l'idéal, j'aimerais que ce soit smooth les transitions, mais bon, pour l'instant, je savais pas faire, donc j'ai pas fait. Mais voilà. Allez, on va mourir. Game over. Alors, il faudra que je change ce game over qui apparaît trop tôt. Il faudrait qu'il apparaisse après le lancer des dés, quoi. Mais bon, ça on changera plus tard. Donc voilà ce sur quoi j'ai bossé dans le code. C'est super propre, merci Mich. J'ai bossé là-dessus dans le code ce week-end. Mais j'ai aussi bossé dans le calepin. Le calepin. Alors, le calepin. Voilà ce qu'il en dit, le calepin. Alors, ça, c'était les créatures, donc c'est pas ça. J'ai pas scanné, j'ai pas le temps. Ça, c'est les attaques, c'est pas ça. Voilà. Donc, j'ai bossé. Voilà. Ici, là. Là. J'ai bossé sur le système de journal. Le calepin. Donc ça, c'est pour le système de dialogue et de quête. Donc le journal. Et j'ai bossé sur l'affichage des dialogues. Ça, on va y revenir ce soir. Et j'ai commencé à réfléchir aux quêtes. Donc voilà. Pour les quêtes, c'est le plus rapide parce que je me suis arrêté en cours de réflexion. Donc mon idée, c'est d'avoir un script un peu comme le catalogue des actions, mais qui serait le catalogue des quêtes, avec des ID pour identifier toutes les quêtes différentes qui existent, et on instancierait les quêtes comme des nœuds qui seraient liés à la scène principale. On va voir, ça c'est mes réflexions. Voilà, voilà. Au niveau des réflexions sur les dialogues, donc pour moi, je me suis dit que une quête, ce serait une scène, et avec un nœud main, et ce nœud principal, il contiendrait plusieurs éléments, l'ID de la quête, le nom de la quête, son statut, est-ce que c'est commencé, en cours, abandonné, terminé. Le type de quête, est-ce que c'est une quête principale, est-ce que c'est une quête secondaire, est-ce que c'est une mission, est-ce que c'est une quête spéciale, par exemple une quête qui n'est pas visible du joueur, il ne sait pas qu'il est en train de faire une quête, mais il y a quand même une quête qui s'est déclenchée par exemple. On aurait aussi la priorité,
Est-ce que c'est une quête basse ou est-ce que c'est une quête pas élevée? Alors ça, c'est pour hiérarchiser les dialogues. Par exemple, imaginons qu'on va voir un PNJ et il a deux quêtes à proposer. Aller pêcher trois poissons dans le lac du coin et au secours, ma maison brûle, il faut vite intervenir. Vous imaginez bien que le PNJ va peut-être pas se mettre à parler de chercher trois poissons dans le lac. Faut qu'il parle en priorité de la quête la plus urgente, la plus grosse, la plus importante pour lui. Alors c'est pour lui, mais pour l'instant je me disais que pour les quêtes, il faudrait donc déterminer une priorité, une importance à donner aux quêtes. Quête répétable, non. Clairement non, parce que les quêtes répétables pour moi c'est essentiellement dans les jeux de farm ou les MMO. Hein. Et je vois pas AstroTerre comme un jeu de farm. On va collecter des équipements, mais farmer des ressources pour avoir de l'argent, tu vois, je suis pas. Et puis en général, les quêtes répétables, elles sont, d'un point de vue scénario, elles sont nulles en fait. De suite, je vais vous pêcher vos poissons, monsieur, et je ramène l'eau du lac en même temps pour éteindre l'incendie. Eh ouais, tout est lié. Ensuite, dans ce nœud main, on aurait aussi des variables de la quête. Alors, les variables de la quête à voir, mais je pensais ça en termes de, par exemple, il faut que le joueur connaisse machin pour pouvoir déclencher la quête. Il faut que le joueur ait dans son inventaire tel objet pour déclencher la quête, ce genre de choses. Mais à voir, à voir, à voir. Ensuite, je voyais, et là, c'est là où je suis pas sûr de moi, faut voir si c'est faisable ou pas. Une fois que tu as ce nœud main avec donc les caractéristiques globales de la quête, je voyais bien un nœud à chaque fois pour chaque étape. Alors là, je m'inspire de ce que je sais avoir fait déjà sur Morrowind, c'est-à-dire qu'en fait, chaque quête était une suite d'étapes, et ces étapes avaient... Oh, j'ai des trucs bizarres sur les... ces étapes avaient des numéros. En général, on disait 10, 20, 30 pour au cas où on en oubliait pouvoir ajouter un 15, pouvoir ajouter un 11, etc. Et donc, chaque nœud aurait les mêmes configurations, les conditions d'accès pour cette étape, les entrées pour le journal, les dialogues liés à cette étape sous forme de page. Chaque dialogue, ce serait une page. Et les conséquences de l'étape. Le changement des variables, les récompenses éventuelles, ce genre de choses. Bon, à déterminer de manière un peu plus précise. Ça, c'est mes réflexions actuelles. C'est encore très flou. Ça demande à être affiné. Là où j'ai plus bossé. Je savais que c'était un extraterrestre, c'est pour ça qu'il arrive à faire autant de trucs sans intervenir. Là où j'ai le plus bossé, c'est sur les dialogues. Donc. Le dialogue, pour moi, c'est une scène chargée liée à l'ID d'une quête, plus son étape, plus le numéro de la page. Bon, ça veut dire que même là, en l'état actuel de mes réflexions, je me dis que même l'affichage d'un dialogue lambda du genre pouvez-vous me dire où se trouve la taverne? Oh oui, très bien, la taverne est au centre du village. Ça serait une sorte de mini-quête. Alors pour le coup, on revient sur répétable. Ce serait pas vraiment une quête, mais ce serait un dialogue répétable. À voir. Ensuite, donc, on aurait pour chaque page de dialogue des propriétés, évidemment. Les personnages qui participent, donc qui correspondent à des ID dans le jeu, hein, pour les lier à l'histoire et à leur nœud. Ça, c'est chose. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que. Je sais pas moi, Gandalf. Est un personnage de notre premier village. Et bah ce Gandalf, il va falloir quand on le crée récupérer son nœud. Et en fait, on dira dans les propriétés des dialogues que le nœud Gandalf peut dire tel dialogue. C'est à peaufiner cette histoire. Ça va pas être évident. Ou alors on passe par des variables.
Ouais, ou alors on passe par des variables. C'est-à-dire, genre, on fait. Je crois qu'on avait, on avait vaguement parlé de ça quand on avait fait. Alors, faut que j'ouvre du coup mon dossier. AstroTer. Quand on avait fait les caractéristiques des personnages. Alors, où est-ce qu'on avait fait ça? Réflexion. ID NPC, c'est ça. On avait commencé à réfléchir là-dessus. Et par exemple, voilà, par exemple, j'avais faction, la faction à laquelle appartient le PNJ, ça c'était dans les variables. Et donc en fait, pour les dialogues. Ouais. On ne peut pas avoir un dialogue propre pour un personnage et des dialogues liés à des quêtes liés à un personnage. Tant que le personnage est lié à des quêtes non terminées, tu affiches le dialogue des quêtes, sinon tu affiches le dialogue du personnage. C'est une question. Si on peut. Si je pense. Je pense qu'on peut tout faire en fait. Faut juste y réfléchir bien en amont pour que le truc soit flexible. Le maître mot, ça va être la simplicité, la flexibilité. Donc là, j'avais dit ID. Et j'avais mis int. Mais en fait, non, je pense qu'on va partir sur un string. Et par exemple, on pourrait imaginer des dialogues où on check si l'ID est une ID précise, par exemple Gandalf. Ou alors, on cherche par exemple la faction. Tous les gens de cette faction peuvent dire ce dialogue. Mais après, ça veut dire que il faut vraiment déterminer une priorité au dialogue. La priorité va être importante. À voir. Bon, ensuite, je peux vous montrer ça, ça va aider. J'avais fait ça il y a bien longtemps. J'avais commencé à réfléchir un peu à l'interface des dialogues. Et donc, je vais rester à peu près sur ça, mais pas tout à fait. Donc, personnage A à gauche, personnage B à droite. L'idée étant donc que dans le dialogue, on sache qui est en train de parler. Donc là, par exemple, j'avais entouré Alex en blanc, mis son nom en blanc, pour dire que c'était elle qui était en train de parler. Et l'autre, le PNJ random, était plus en gris, entouré en noir, pour dire que lui, il écoute, mais il n'est pas en train de parler. Ensuite, il faudra pour chaque page de dialogue l'état d'esprit des participants. Parce que j'aimerais faire des portraits en fonction du mood. Je crois que je l'avais mis dans les PNJ. J'avais mis ça là. Mind state. État d'esprit du PNJ par rapport aux joueurs, inimitié, méfiance, rejet, attirance, peut aller jusqu'à attaquer directement. Ouais. Ah, c'est peut-être pas ça. Non, ça, c'était l'inventaire. Bah, si, c'est ça. Mais c'est pas tant ça, parce que ça, c'est l'état global du PNJ. Ça va pas être tout à fait ça pour les dialogues, ça sera plus son état au moment du portrait, tu vois. Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est triste? Enfin, je sais pas. Plutôt son émotion actuelle, en fait. Bon, Bonsoir. salut Mimiche. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Attends, vas-y, parle un coup. Ah ouais, bah ouais, je suis peut-être pas très fort ce soir. J'attends, je vais approcher un tout petit peu de mon micro. Non mais je te remets à 100%, je t'avais baissé Oui, c'est mercredi. vrai que Gogo de soir, comme on était plus en vocal, Et on voilà. était un peu plus motivés les uns les T'es autres. remonté. Bravo. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bonne journée, grosse réunion à Sceaux cet après-midi, mais Ah. ouais. On a ce Ouais. musical, enfin, dessus. Ouais, bah ouais. Ah oui, mais Les on. choses avancent dans le bon sens maintenant. Ah bah ouais, c'est bon. Bah, on a un événement le week-end du 11 novembre, tu vois, enfin Ah après le oui. 11 novembre, donc. Ah bah c'est cool. Donc non, on est reparti. On est Comme en reparti 40. pour comme en 40 parce que. Parce qu'on.
on est quand même prudent sur certains points, mais oui, c'est vraiment, on est vraiment reparti là sur le coup. Ah bah nice, nice. Donc bah tu vois, on a fait l'événement d'été qu'on avait logiquement en juin, début septembre. Donc là, on a qui arrive mi-novembre, tu vois, ça arrive un peu. Ah oui, coup sur coup. Ça arrive un peu coup sur coup, donc on le savait, mais c'est vrai que tu vois, faut se remettre dedans rapidement, on va dire. Bah je sais pas si t'as, à partir de quand t'as suivi, pas suivi. Ah bah j'ai tout suivi jusqu'à là. D'accord, impeccable. Sauf qu'au temps de remplir ma bouteille d'eau, je me suis absenté 30 secondes. Hein. C'était l'entracte. C'est ça. Donc, dans les propriétés d'une page de dialogue, je me disais donc qui est le personnage actif, celui qui parle. Bon, évidemment, le texte, important, hein, le contenu du dialogue. Bien sûr. Et ensuite, le type d'interaction. Donc là, ça n'apparaît pas sur cette petite image, mais est-ce qu'il y a un choix pour le joueur? Est-ce qu'il y a juste une petite flèche pour passer au dialogue suivant? Est-ce que c'est la fin du dialogue? Et du coup, en fonction des choix, bah, le nombre de choix, le texte des choix, les conséquences des choix, et la page suivante en fonction des choix. Ouais, bah oui. Ah bah c'est cool, Loulou. Stage d'accordéon demain avec ton groupe. Ouais. Bah ouais, c'est cool. Bon, enfin voilà, donc ça reste des réflexions assez générales, vagues, sur l'architecture globale du truc. Mais il faut bien commencer quelque part. Exactement. Bon, l'idée quand même qui m'a largement inspiré dans mes réflexions, c'est de faire des scènes spécifiques vraiment pour les quêtes, et d'utiliser une architecture proche de celle qu'on a fait pour les créatures, c'est-à-dire vraiment avec plein de nœuds différents pour segmenter les choses. Ouais, bah oui. Bon, et puis t'as vu du coup les lancers de dés? Ouais. Je suis assez content. Je pense que tu peux, parce que aussi bien en termes de rendu qu'en termes de code derrière, ce que je l'ai aperçu vite fait... c'est plutôt propre et c'est plutôt intuitif à reprendre derrière, tu vois. Ouais, c'est à base de signaux, tout simplement. À base de signaux, et comme d'habitude, maintenant, je passe par le script global, en fait. Donc ouais, c'est bah mon script de créature qui fait les lancers de dés, qui déclenche une fonction du script global, qui émet un signal, et ensuite mon interface de dés récupère le signal et affiche le lancer de dés. Et tu sais, grâce à mon système d'état pour la créature, le fait que, en fait, au moment où la créature émet, fait envoyer le signal par le script global, elle se met en attente. Et donc, en fait, elle attend le signal de fin de lancer de dés pour passer à l'étape suivante. Ok. Donc, tout à base de signal. Il y a plusieurs signaux qui se... Pas qui se télescope, mais qui se succède, voilà. Donc je suis assez content du truc, et en plus, comme tu dis, c'est tant mieux si ça paraît fluide à voir, à lire, je veux dire, le code. Parce que pour le coup, j'ai fait ça relativement vite, on a bossé dessus samedi... Quand est-ce qu'on a bossé dessus? Samedi soir? Dernier? Non. Vendredi soir? Bah non, ça doit être samedi. Samedi non, je crois que c'est samedi. J'avais bossé un peu dessus dans l'après-midi. Bah non. Si. Je sais plus. Et du coup, bah, dimanche après-midi, pendant la sieste du petit, donc il a dû dormir 1h30, 2h à peine, j'ai tout codé. Donc j'étais content. Ah oui, donc t'as été productif, quoi. Bah ouais, ça s'est fait pas très bien. Du coup... j'ai eu 5 minutes pour commencer à rédiger le prochain devlog, mais j'ai pas eu le temps de le finir, de l'écrire, et donc ça sera consacré aux modifications d'interface, donc la nouvelle palette de couleurs, le bandeau pour la succession autour du joueur, autour de l'adversaire, et puis lancer des dés, quoi. Donc ça sera le package du devlog numéro 7, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, là, même si c'est pas tout à fait fini, parce que rien n'est jamais vraiment fini, il y a toujours du chantier, mais là on passe à un autre truc, on va attaquer dans le bois dur, là. Hein. Ou dur dans le bois sec. Comment l'expression Dur dans le bois sec, peut-être. Je ne sais plus. On va attaquer sec dans le bois dur. Je ne sais plus. Dur dans le bois sec. Bref, on va retrousser les manches, parce que les dialogues, c'est un gros morceau. Énorme morceau.
Donc pour l'instant, l'objectif n'est pas de créer des quêtes. Dans un premier temps, l'objectif, ça va être juste d'afficher des dialogues. Mais en ayant en tête derrière que faut que ce soit un truc très modulable pour justement après gérer des quêtes derrière. Et pas avoir besoin de tout recoder parce que finalement on fait fonctionner les quêtes différemment. Ouais, je t'avouerais que j'étais en train de farfouiller un peu internet quand, en t'écoutant pour voir s'il y avait des choses déjà qui existaient et si on pouvait s'en inspirer dans Godot, évidemment. Ouais. Moi, le... Et je trouve des trucs. Mais... Ouais, je pense qu'il y a des choses, j'ai déjà vu des choses passer. Je suis sûr que dans ma playlist Godot, j'ai une ou deux vidéos en lien avec ça. Mais en fait, les petites réflexions que j'ai eues sur le papier, pourquoi je les ai eues sur le papier, c'est tout simplement parce qu'en général, je fais ça quand j'ai pas accès à l'ordinateur. Donc ouais, du coup, bah oui. J'ai pas accès à l'ordinateur. Donc j'ai pas accès au tuto. Ouais, donc j'ai pas accès à Internet. Donc c'est juste le fruit de mes souvenirs. Et je me rappelle avoir vu une vidéo où un gars faisait des quêtes, et ces quêtes, c'était des nœuds. C'était des scènes, en fait. Des scènes avec des successions de nœuds. Et donc, je me suis dit que oui, c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Du coup, j'abandonne un peu, par contre, l'idée que j'avais eu à un moment, éventuellement, de rédiger les quêtes, par exemple, dans un tableur, et de les exporter en JSON. Ouais, bah oui. Pour l'instant, je l'abandonne un peu, dans le sens où c'est toi qui as bossé plus sur les JSON et pas moi. Ouais. Et donc je me sens plus à l'aise finalement de continuer sans, pour voir si ça passe, plutôt que de passer par ça. Mais je me dis qu'en même temps, après, dans les JSON, de toute façon, on ne mettrait pas tout ce qui est variable. Enfin, si, mais dans un JSON éventuel, on mettrait tout ce qui est, comment dire, tout ce que devrait digérer un script, en fait. Donc, ouais, bah oui. Même si un jour on décide de passer en JSON, le script de base il sera toujours là et on aura juste à lui injecter le JSON à digérer, en fait. Mais le travail derrière il sera compatible. Enfin, j'espère. Bon, et on va peut-être s'y atteler. Parce qu'on papote, mais. Bon, donc du coup, là, je pense que dans Godot, je vais hop, créer tout simplement une nouvelle scène. Scène 2D. Ou interface utilisateur. Bonne question. Mes main UI, ce sont des... Enfin, ça, c'est un Canva layer. Mes menu pose, c'est des Canva layer. Mon game over aussi, parce qu'il s'affiche par-dessus. Et les dice, ce sont des contrôles. Là, je pense qu'on va peut-être partir sur un Canva layer, en fait. Je t'avouerai que je sais pas la différence exacte entre les deux. Donc. Alors, le Canva layer, c'est ça permet de faire des couches, en fait, comme des calques. Ouais, okay, et du coup, par exemple, le main UI, là, on l'a mis en deux. Donc, il est au-dessous du menu pause, qui est à 100. Le menu game over, par contre, il est à 1. Donc, le menu game over, pour l'instant, je crois qu'on l'avait pas changé, en fait. Et en fait, les nœuds vont hériter. Donc là, les dialogues, à la limite, faudrait les mettre par-dessus l'interface. Je pense que, comme j'ai fait un peu sur Photoshop, je pense que l'interface, on la cachera au moment où on passera en mode dialogue. Donc tu sais, de la même façon qu'avec le game mode, on avait exploration et combat, on va rajouter un troisième game mode qui sera dialogue, en fait. Ouais, bah oui. Je pense que ça va être un... Salut Artichaut. Ça va être un game mode à part. Donc est-ce qu'on part sur un Canva layer? Puis je pense qu'on va le mettre dans main UI, en fait. Hein. Bah ouais. Je pense. On verra. De toute façon, pour l'instant, on va le faire à part. Complètement à part du reste du jeu. Pour l'instant, il n'y a pas d'interface prévue. Enfin, il n'y a pas d'interaction prévue avec le reste du jeu pour l'instant. Bon. Et là, je suis sur un site qui est pas mal. Il a fait un arbre de dialogue, tu vois, pour comprendre, sur un dialogue précis, voir comment le dialogue il se déroule. D'accord.
Ah oui, et puis du coup, j'abandonne un peu l'idée d'utiliser le plugin dialogique. Ouais, bah oui, c'est oui, ça j'avais compris. Alors, Je pense qu'il est très par très bien déduction. ce truc et je pense que je vais être obligé de refaire des choses qu'il fait beaucoup mieux que moi parce qu'il s'y connaît. Mais en fait, j'ai peur que ce soit... T'as peur de te retrouver enfermé dans Ouais, un système, quoi. enfermé dans un Si je. système, ouais, c'est ça. Qui soit pas forcément compatible avec ou qui soit pas forcément dans le même état d'esprit que j'ai de débutant en fait. J'ai peur d'arriver avec un truc un peu trop clé en main, trop Ouais. très structuré, complexe, très performant. Mais du coup, j'ai peur d'avoir du mal à me l'approprier et à l'utiliser comme je veux. Alors tant pis, je préfère faire un truc peut-être plus usine à gaz. Moins optimisé, mais que au moins ce soit moi qui l'ai fait et que je sois à l'aise Ah avec ce que bah j'ai oui, bah fait. après, Voilà. voilà. Après, toi, dialogique, je faisais une curieux, il est mis à jour régulièrement, mine de Il est rien. très. Je le suis, hein, donc je vois les mises à jour, il est mis à jour très régulièrement. Et puis c'est vraiment un truc chouette, hein. Là, Ouais, parce avec ce que je vais faire, je que. vais réinventer l'eau chaude, hein. C'est-à-dire que Oui. les trucs que je disais là, je pense que Dialogique le fera mieux et on pourrait s'en servir, il serait beaucoup plus simple. Mais bon, voilà, je préfère essayer de faire mon propre truc. Après, il y a logique de mémoire, tu pouvais envoyer des signaux dans tous les sens, non, avec, je crois, hein. Ah oui, bien sûr, Ouais, tu non, bah pouvais après, non, faire bah, plein de trucs. c'est pas que je veux pousser dans cette voie-là, mais je me. Enfin, comme tu dis, est-ce que ça vaut le coup de réinventer quelque chose, tu vois, quoi, vraiment? Oui. Bon. Oui. Non, j'en sais, ça se trouve, je vais être à l'éponge et puis on verra. Hein, on va voir comment ça se goupille. Du coup, alors, sachant que. Donc ça, c'est la scène principale qui va afficher les dialogues. Donc là, j'imagine en fait cette scène comme une sorte de page blanche. C'est-à-dire qu'on va mettre des nœuds à certains endroits pour afficher portrait A, portrait B, la B zone ou de texte, éventuellement la zone des choix, je sais pas si... Oui, la zone des choix. Mais ça va être une page vierge. Et ensuite, par derrière, on fera d'autres scènes qui, elles, contiendront les informations à inscrire, à écrire sur cette page blanche, en fait. Toujours dans le but d'avoir un truc modulable, un petit peu comme ce que j'ai fait avec les dés. C'est-à-dire que les dés, j'ai fait une scène vierge, enfin, elle n'est pas vierge, mais une scène vide. vide, elle n'est pas vide, mais une scène à effacer, enfin, je sais pas Ouais, c'est comment, ça. une scène modèle, quoi. Et en fait, à chaque fois que j'ai besoin d'un lancer de dés, je charge cette scène, je la modifie en fonction de ce que je veux afficher, et ensuite je la jette à la poubelle. Je jette la copie à la poubelle en fait. Non, mais c'est vrai que c'est pour ça que je te disais que ta façon de faire était très très propre, parce que c'est vrai que. Enfin, enfin, tu pars d'une scène qui existe, que tu modifies pour un fichier et ensuite tu l'effaces, pour moi c'est parfait en termes Ouais, et de. puis ce que j'aime bien avec les dés, ce qu'on n'aura pas besoin forcément de faire avec le dialogue. Enfin, si ce n'est... En fait, avec les dialogues, on aura besoin de le faire de manière successive. Alors que là, avec les dés, c'est en même temps, je peux afficher autant de dés que je veux. Et chaque dé est une scène, indépendante l'une de l'autre. C'est pour ça qu'elles peuvent apparaître et disparaître de manière successive, avec des Ouais. informations différentes, sans que l'une vienne perturber l'autre, en fait. Alors en fait, oui, bah oui, bien sûr. Et par contre, je suis en train de me dire un truc, c'est que notre scène de dialogue random, enfin tu vois, random entre guillemets quoi, modèle, on va dire. On pourrait très bien imaginer une scène de dialogue modèle, donc avec la zone de texte, la zone des choix, les deux personnages qui Personnage qui dialoguent, parle, oui. etc. Comme tu as créé ta zone de dé et que tu. Quand tu es dans une quête ou quand tu es dans un dialogue, tu injectes dans cette scène, enfin tu crées une nouvelle instance de cette scène, tu y injectes toutes les infos que tu as affichées dedans. Ouais, c'est ce que j'ai prévu. Parfait. C'est ça. C'est ça mon idée. J'ai dû retraduire ce que tu as dû Mais dire c'est très bien, juste ça, avant, mais. c'est comme ça on est sur la même longueur d'onde et puis ça pour les viewers ça je pense que ça aide aussi. Et donc c'est ça mon idée et en fait donc c'est pour ça que je commence par faire la page de dialogue et que je disais que c'était lié aux quêtes parce qu'une fois qu'on aura l'architecture de cette page de dialogue et bien en fait de là découlera aussi l'architecture de nos quêtes
pour que les quêtes puissent injecter des dialogues. Ouais, bah oui. Parce que les quêtes passeront essentiellement par des dialogues. Enfin, il y aura des quêtes sans dialogue, peut-être, mais ouais, quand même. L'interaction avec les PNJ est importante pour commencer une quête, la terminer. Enfin, c'est le coup classique, quoi. Là, on parle de quête vraiment lambda. Hein. Comme je disais, aller pêcher 3 poissons dans le lac, clairement, c'est une quête qu'on fera, ne serait-ce que pour tester le système. Oui. Ça veut dire parler à un PNJ, il nous donne la quête. Lui reparler, il nous la redonne pas. Il nous dit qu'on doit aller faire ce qu'il nous a déjà dit de faire. Tu vois, rien que ça. C'est ouais, bah oui. Mais... Ensuite, aller sur place. Si on n'a pas la quête, on peut pas pêcher les 3 poissons, par exemple. Ou parce qu'on n'a pas la canne à pêche. Il y a un truc à la con, hein, mais... Et on arrive sur place, on a la quête, on peut pêcher les 3 poissons. Des conditions vraiment toutes bêtes, mais ça fait partie des choses qu'il faudra tester avant de faire des trucs complexes. Je te mets directement le lien dans le chat de Twitch. Pour, et en fait, c'est exactement ce qu'on dit, mais ça permet d'avoir un exemple concret sous les yeux, tu vois. Et c'est pour ça. Parce que j'ai pas eu le temps de... Ce que j'ai posé sur le papier, j'ai pas eu le temps de le... Oui, non, mais là, c'est quelque chose que j'ai trouvé. Là, c'est un tutoriel Godot, justement, sur... Alors. Sur de la quête et du dialogue NPC. En fait. Ouais, donc quête non démarrée, bah, c'est ce que je disais, voilà. Ah, on parle, ça, voilà. Salut, nanana, est-ce que j'ai perdu mon collier. Oui, pouvez-vous le retrouver? Donc, nous, bon, bah, si tu changes d'avis, tu reviens me voir, à plus tard, et hop, ça boucle. Oui, merci, ok, bye, quête started. Là, donc, tu vois, je rajouterai un truc du genre si tu lui reparles. Ah oui, bah non, c'est ça, c'est non, ça. Justement, en fait, en rouge, en fait, c'est la quête qui change de statut, tu vois. Exactement, ah bah c'est ce que je disais, tu vois, dans mes statuts. J'avais cette idée de statut aussi. Ouais, c'est pour ça, en fait, que ça correspond exactement à ce qu'on disait, c'est pour ça que je... Ouais. Bah, après, moi, j'ai cette expérience de l'avoir déjà fait avec Morrowind, et là, clairement, c'est ça qui m'aide dans mes réflexions. Ouais. Donc, on lui reparle. Est-ce que t'as trouvé mon collier? Non. Bon, bah, allez, va le chercher. Comment ça, je l'ai perdu sous mon lit et je vais pas le chercher moi-même? Eh, on est dans un jeu vidéo, garçon. C'est toi qui cherches. bon, bah oui. Alors là, il faut vérifier s'il l'a bien. C'est ça. Et là, il met en plus, le oui est disponible seulement s'il l'a trouvé. On peut rajouter une autre condition, on peut dire, le oui est disponible seulement si l'objet est dans l'inventaire du joueur, par exemple. Voilà. En général, c'est comme ça que je fonctionne dans Morrowind. Je checkais l'inventaire du joueur pour savoir s'il l'avait avant de passer la condition suivante. Quest completed. Merci encore pour m'avoir aidé. C'est parfait pour comprendre le principe de base d'une quête. Et par contre, c'est ça. Je vois qu'il donne la récompense entre il a trouvé l'objet et la compression de la quête. Tu vois. Mmh. Ouais, tout à fait. Oui, au moment de la flèche rouge où il y a marqué thanks. Juste avant en fait. Mmh. Alors, ouais, par contre, je voyais qu'il y avait des 1, des 2, tu vois, sur ces cases. Je ne sais pas à quoi ça correspond, pourquoi. C'est peut-être le nombre de dialogues affichés, tu vois. Non, parce que 1, ça fait... Enfin, tu vois... En fait, à chaque étape. Oui, ça, premier statut, la quête n'est pas commencée. Ouais. Il y a trois lignes, en fait, de dialogue. Enfin, trois fenêtres de dialogue, si on veut. Ah oui, d'accord. Il y a ouais, la 3, question 3 et 1, avec ouais, le choix oui et non. Et les deux réponses. Ouais. Ensuite, une fois que la quête est commencée, il y a encore trois possibilités, en fait. Trois dialogues à checker. Ouais. Enfin, à créer. Et quand la quête est complétée, voilà. Et moi, j'avais rajouté quête abandonnée, aussi. Dans les statuts. Alors, parce que tu considères qu'on pourrait abandonner une quête à un moment, en fait. Éventuellement, ouais. Ou alors, j'avais pensé aussi à des quêtes que tu pouvais plus finir. T'as genre, t'as laissé passer ta chance, c'est trop long, tu vois, genre typiquement l'incendie. S'il y a un truc que je trouve dommage dans beaucoup de jeux, c'est... Oh là là, il y a ma maison qui brûle, est-ce que tu peux m'aider? Non, désolé, je peux pas t'aider maintenant. Puis tu repasses 3 mois plus tard, hé, il y a ma maison qui brûle, est-ce que tu peux m'aider? Bah, la maison, elle brûle toujours depuis 3 mois. La maison, elle brûle depuis 3 mois, quoi, tu vois. Alors, je caricature un peu, mais... J'ai la réponse, en fait... Comment les numéros dans la... Bah, au pire, je peux t'envoyer. Mais ouais, c'est intéressant pour comprendre la mécanique des quêtes simples, en fait. Je peux te mettre carrément la page d'origine. Il y a une code et tout avec, hein, mais...
Ouais. Donc tu t'as les numéros, c'est ça? Et donc en fait, les numéros, il te dit que donc chaque phrase de Fiona est numérotée. Nous avons utilisé ce numéro dans le script de Fiona pour traquer la progression de la conversation. Oui, c'est une sorte, c'est ce que moi j'appelle une ID en fait. Ouais, c'est ça en fait, c'est Enfin, l'ID qui sert. j'ai non, j'ai pas ah, l'ID pour moi c'était le nom de la quête et Ouais. j'ai appelé ça des pages moi dans Ouais, ma bon, bah, réflexion voilà. ça. C'était page 1, page 2, page 3 pour Mais savoir les voilà, suites c'est ça. et C'est le même principe en fait. Mais ouais, par contre, tout à en fait. fait, c'est la page 1 de la quête non, enfin, de la quête non prise, page 1 de la quête non, de la quête en cours, ouais. Voilà, c'est ça exactement. Ok. Et là, du coup, dialogue pop-up, ouais. Et puis après, on rentre vraiment dans le. Dans le détail. Ouais, dans le détail, Donc dans lui, le il code, utilise des dans. pop-up, effectivement, nous, on n'utilisera pas ça, mais peu importe. Ah oui, ça, c'est intéressant pour animer le texte. Oui, Ah après, ouais, ça, il y a c'est peut-être des cool. trucs intéressants. Ah De toute façon, ouais, tu si tu vois, descends tout en bas. pourcentage visible, ça, je savais même pas qu'il y avait ça. Si Tu vois, tu sur descends tout les. en bas C'est de la sur quoi? C'est page. sur les labels ou c'est sur les labels enrichis? Important ça. Ah non, c'est sur le dialogue pop-up. Ah, faudrait regarder dans les propriétés des labels si on peut le faire, ça pourcentage visible. Yep. Parce que ça, effectivement, c'est bien ça. Et tu disais Si tout en tu bas. Et donc si tu descends en fait en bas, juste avant sa conclusion, t'as une vidéo du rendu final. Ah oui. Ça peut nous permettre d'avoir des. Non mais c'est très très bien. Voilà, c'est vrai que c'est propre en termes de. Oui, il y a les labels, Artichaut, t'as raison, il y a les labels et les riches labels. Donc il faudrait que je regarde si Ouais, les labels c'est peuvent ça. faire un pourcentage, sinon on passera tout de suite en riche label. Parce que c'est ça que je voudrais faire comme effet, hein, que le texte il apparaisse progressivement. Mais je crois que c'est les riches labels qui proposent ça en fait. Enfin, de mémoire. Tu vois, là c'est ce qu'il précise là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au JSON. Tous les dialogues ici sont intégrés dans le script du Non, NPC. Il est plus désirable que, il est plus préférable que les dialogues soient écrits dans un logiciel. Alors, ah, ça c'est la beauté de l'anglais. ouais. Easily editable human readable external file. Donc en français, ça donne fichier externe, facilement éditable, lisible et bah Bah, par un humain. facilement, en fait, même, ouais, non, mais fait ça, en fait, en français, on dirait juste facilement éditable, en fait. Et lisible aussi, Compréhensible, ouais, compréhensible, compréhensible. readable. Parce que c'est vrai que c'est plus simple. Moi, par exemple, à titre de comparaison, quand j'utilisais l'éditeur de Morrowind, j'écrivais donc beaucoup de lignes de dialogue directement dans un tableau géant, si tu veux. Ouais. Mais il y avait une fonction d'export qui était très pratique pour faire, par exemple, ne serait-ce que les corrections orthographiques. Parce que plus t'écris, plus tu fais des coquilles. C'est normal. Il y en aura forcément. Et donc l'avantage de fonctionner avec un logiciel externe, c'est que tu peux utiliser un correcteur d'orthographe. Ouais, bah Et oui. nous, je pense qu'il faudra qu'on le fasse d'une manière ou d'une autre, parce Oh, que que pour oui. la traduction, si Ah on oui, garde pardon, l'idée de oui. faire français-anglais. Bon, je pensais que tu parlais de mon niveau d'orthographe, c'est pour ça. Ah oui, moi aussi, mais tu sais, moi aussi, je fais plein d'erreurs, hein. Je fais Oui, mais plein d'erreurs. toi, si tu vas être capable de voir tes erreurs, alors que moi, j'en suis incapable. C'est dur de voir ces erreurs des fois. Je m'en laisse D'accord. souvent. Hein. Mais bon. Surtout. Voilà. Il faut. Donc. Oui, quand je disais qu'on n'utiliserait pas les JSON, je me suis peut-être un petit peu emballé un peu trop vite. Faudrait peut-être le prévoir dès le début. Ouais, Mais. sauf qu'en fait, c'est complètement une autre façon de bosser, en fait. C'est ça aussi, en fait, c'est pour ça. Mais après, ouais, parce que oui, c'est compliqué après. Ouais, c'est pour ça, en fait. D'où ma question, est-ce qu'on a besoin de réinventer l'eau chaude?
Je suis pas sûr que dans Dialogique, les dialogues dans Dialogique, ils sont pas dans des JSON, non? Il me semble que si. Ah, je croyais qu'ils étaient écrits au fur et à Alors en mesure fait, dans mais en fait, pour les moi, tu étapes que les tu é... crées. En fait, pour moi, où tu les... Ouais, mais tu les écris dans les étapes, mais ils doivent être stockés en JSON pour moi. Je pense pas qu'ils soient stockés en hard dans le code. Bon, en tout cas, si c'est le cas, ça prouve que c'est possible de le faire. Enfin, sans doute, c'est juste qu'il faut Ouais. trouver comment. Donc. Mais ça veut dire qu'en gros, il faut créer un éditeur de JSON dans Godot, tu vois. Donc, Ouais. comment te dire? Si tu mets dans le script, tu ne pourras pas gérer l'onglet. Ouais, tout à fait. Ouais. Attends, tu as souvent le principe de la quête principale qui te demande d'aller sauver le monde avec l'autre, avec sa quête secondaire de maison qui brûle à côté, il n'y a pas grand-chose. Tout à fait. C'est le problème de beaucoup de jeux vidéo. C'est ce que j'ai pas trop aimé dans Final Fantasy XV. On l'a streamé un petit peu, malheureusement je suis pas allé au bout. J'ai tenté deux fois de le streamer Final Fantasy XV. La deuxième fois, on est allé plus loin que la première. J'ai un peu mieux apprécié parce que justement, j'ai arrêté de faire les quêtes secondaires. Dans ma première run, j'ai voulu découvrir tout du jeu, donc j'ai voulu faire toutes les petites quêtes. Et en fait, ça m'a complètement éloigné de l'enjeu principal de l'univers. Parce que franchement, comme je le disais tout à l'heure, aller pêcher des poissons, qu'est-ce qu'on en a à foutre quand ton père il vient de se faire assassiner et qu'il y a l'empire adverse qui est en train de prendre le pouvoir alors que t'es Ouais, l'héritier du trône. spoiler! Non mais c'est le pitch du jeu. Oui, non, mais... Et donc du coup dans ma deuxième run, j'avais arrêté de faire les quêtes secondaires ou vraiment... en tout cas pas les vraiment rikiki quêtes secondaires pour me focus sur l'histoire principale qui était plus intéressante et où l'urgence paraissait importante et voilà donc... Où l'urgence était vraiment urgente, Mais donc. ça, après, c'est plus du. C'est plus du code. Ça, c'est après, c'est de l'écriture. C'est de la narration. Donc. Enfin, c'est oui, c'est du. Bah, de la narration. Ouais, c'est ça. Là, pour le coup, ouais, je dirais ça. Donc, on n'y est pas encore. Nous, faut qu'on fasse déjà un système qui fonctionne. Et après, on. Tu critiques Breath of the Wild aussi, alors que. Je critique pas Breath of the Wild. J'ai pas assez joué pour critiquer. Après, moi, alors, je critique dans Final Fantasy parce que dans Final Fantasy, c'est un jeu linéaire. Enfin, et il n'est pas tant que ça puisqu'on peut papillonner. Mais dans l'esprit, les Final Fantasy en général sont des jeux linéaires et le FF15 a un scénario linéaire, mais avec des aspects de papillonnage qui ne vont pas, je trouve, avec ce côté linéaire. Mais j'adore les jeux où tu peux complètement ne pas faire la quête principale. Morrowind, Skyrim sont des jeux comme ça. Et Skyrim, j'ai jamais fini la quête principale. Jamais. Morrowind, si. Mais Skyrim, j'ai passé j'ai 150 heures dessus. J'ai jamais fait la quête. Enfin, j'ai pas fait la quête principale jusqu'au bout. J'ai fait que des quêtes secondaires, des quêtes de factions, etc. Mais la quête principale dans Skyrim, elle est présentée dès le début, mais elle a moins un côté urgentissime. Et puis en plus, dans Skyrim, dès que tu arrives dans le monde, tu as accès au monde entier. C'est-à-dire que, Ouais. passé la scène d'introduction, si tu as envie d'aller à l'autre bout de la map, tu vas à l'autre bout de la map. Tu peux y aller. Alors que dans Final Fantasy XV, tu ne peux pas. Tu es dans une petite zone, t'as plein de petites quêtes à faire, et il n'y a que quand tu avances un peu dans la quête principale que tu peux débloquer la zone suivante. Mais si tu n'avances pas dans la quête principale, tu débloqueras jamais la zone suivante. Donc du coup, tu peux pas papillonner comme tu veux, parce qu'à un moment donné, tu es obligé de faire la quête principale, donc tu es obligé de monter un petit peu dans l'urgence de la situation. Tu vois, il y a quand même la quête principale, elle est bien pensée, donc t'as un cliffhanger, quoi. La tension augmente, Ah les bah dangers sont de plus en plus présents, la pression est de plus en plus forte sur les personnages. Donc ça, t'es obligé de le subir, et à côté, d'aller pêcher tranquille avec tes potes. C'est un peu... ouais. c'est ça. Alors que dans Skyrim, si, après la partie tuto, tu ne veux pas faire la quête principale, tu peux aller partout et tu n'es pas obligé de la faire. Et donc en fait, les... menaces qui pèsent sur le monde ne grossissent pas. La quête principale, elle bouge plus. Donc Ouais. finalement, le monde, il est pas en pause, mais presque. Dans Skyrim,
je spoile pas, hein, mais la quête principale, elle tourne autour des dragons. Plus tu vas progresser en quête principale, plus les dragons vont avoir une présence forte sur le monde. Mais tant que tu n'avances pas la quête principale, t'en vois pas des dragons, ou très peu. Donc finalement, t'as pas l'impression de passer à côté des dragons, puisqu'il y en a pas. Donc tu peux t'occuper de la maison qui brûle dans le village, c'est pas gênant. Tant que t'as pas progressé vraiment beaucoup dans la quête principale. Sur Zelda Breath of the Wild, t'es obligé de faire certaines quêtes secondaires pour avoir un stuff réglo pour le boss final. Oui, tout à fait. Les quêtes secondaires qui dépassent les principales, c'est pour ça. Oui, tout à fait, dans Skyrim, le jeu est conçu comme ça. C'est-à-dire que les quêtes de faction, elles sont plus intéressantes presque que la quête principale. La quête principale, comme je l'ai dit, elle tourne autour des dragons. Mais les quêtes intéressantes, c'est autour de la confrontation entre l'Empire et les Sombrages, par exemple. Donc ils sont deux factions qui se disputent le contrôle de la zone, et c'est ça qui est le plus intéressant. Prendre parti soit pour l'Empire, donc les colonialistes, si on veut résumer rapidement, enfin les colonisateurs, soit les Sombrages, donc les résistants. C'est intéressant. Après, t'as toutes les quêtes de la guide des mages, qui sont à elles seules, plus une série de quêtes qui ont une unité scénaristique, quoi. Ce qui n'est pas le cas dans Final Fantasy XV. Dans Final Fantasy XV, comme je dis, hein, c'est des petites quêtes secondaires FedEx. Tu vas à un point A, tu reviens avec 36 000 trucs. Mais il n'y a pas de quêtes qui se suivent, qui racontent une autre histoire, quoi. Parallèle. Zizi, ouais, faire des quêtes qui facilitent la fin en groupe. Bah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'en général, dans Skyrim, la quête principale, pour la plupart des joueurs, elle a aucun enjeu de difficulté. C'est-à-dire que la plupart des joueurs, ils ont déjà farmé beaucoup de matériaux, farmé des équipements avec les autres quêtes annexes. Et quand ils arrivent pour faire la quête principale, c'est que vraiment, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient à côté. Et du coup, les difficultés sont plus très importantes. On verra pour Astroterre, on n'en est pas là. Reviendons à nos moutons. Allez. Même si c'est très intéressant, c'est très intéressant, mais bon, nous on va partir sur des choses simples. Donc. Parce que Mimich dans un Jason. On peut. On peut avoir. Je t'explique mon idée. Je vais prendre un bloc-notes. On pourrait avoir un truc du genre. ID. De la pêche. Et là. Page 1, coucou, j'ai une canne à pêche. Non, canne à pêche. Comme ça, canne à pêche ou c'est 2N, canne à pêche? Tu vois, je sais même pas. J'ai un doute. Canne, moi j'aurais mis 2N. Hein. Ouais. Et ensuite. C'était sur de pêche que j'avais un doute sur accent. Mais... Quoi, tu vois, j'étais pas le bon exemple. Et puis, quête de la fin du monde, page 1, au secours, on va tous mourir. Donc, est-ce que dans un Jizen, on pourrait, j'imagine que oui, mais je te demande confirmation, pour avoir une architecture comme ça? Un peu, vous verrez mieux. C'est-à-dire que on pourrait avoir plusieurs quêtes, plusieurs pages. C'est relou parce que, et après dans Godot on chargerait, tu vois, si on est en train de faire la quête de la pêche, on va chercher quête de la pêche, page 1, et hop, on load que ça. Ouais, bah oui, ça serait...
Donc t'es pas obligé de modder toute la quête et puis de te dire ok, je mode la quête. Enfin, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en termes de ressources, après je sais pas exactement ce que ça correspond, mais enfin, toi, en termes de ressources, imagine qu'on est sur la quête de la pêche. Quand tu vas revoir le personnage, c'est-à-dire que tu regoutes toute la quête de la pêche, donc tu regoutes la page entière, et tu n'affiches que la page 1, enfin tu vois, en termes de... Mais là, en fait, le JSON, je l'envisagerais que pour avoir les textes. Ouais, les dialogues, ouais. Ce qui permettrait d'avoir, tu vois, genre, je sais pas, moi, on aurait... Quick. Et puis on aurait... Pouf. Ouais. Tu vois, juste... comme ça, ça permettra... voilà. Fishing rod. Ah merci. Je l'avais pas. Parce que merci Minecraft. Hein. Mais oui, merci Minecraft parce que honnêtement c'est un terme que j'aurais pas connu sans Minecraft quoi. Donc là c'est pour rebondir sur ce que disait Charivari tout à l'heure, c'est-à-dire que pour la traduction ce serait ça l'idéal. Bah. Ouais je pense que ça serait un peu plus... Attends, comment dire, évidemment, ouais. Là c'est juste l'idée, hein, c'est pas oui, c'est l'idée de base, mais ouais, mais pour moi, c'est faisable. En fait, je suis en train de me parce que c'est vieux, mes histoires de Dizon, hein, ça commence à avoir quelques mois maintenant, et donc je suis en train de me redire comment je bossais sur par exemple sur les conteneurs. Sur tout ce qui était inventaire, etc. Mais je crois que c'était un truc comme ça. Parce qu'après, du coup, ça veut dire que pour nous, en termes de fabrication du jeu après, imaginons que tout le système soit opérationnel. Quand on crée une quête, pour une fois que le chat il arrive à ouvrir la porte tout seul sans faire un suet. Donc, en termes de création de quête, non. Le souci qu'on a, c'est qu'il faudrait... En fait, là, dans cette idée-là, on aurait un fichier soit avec plusieurs quêtes, ou alors, à mon avis, il faut qu'un seul fichier par quête, en fait. Parce qu'en fait, ou alors, parce qu'après, est-ce qu'on peut fusionner... Pour la correction, comme je disais tout à l'heure, ouais, par bah exemple, oui, non, mais on peut fusionner pour avoir que des trucs comme ça à corriger, quoi. Ah, ça, c'est des questions, j'ai même pas la réponse, toi. Ouais, je sais pas. Attends. On va y aller petit à petit. Bon, tu as raison, on va y aller petit à petit parce que de toute façon, on n'y est pas encore. Bon. Voilà. Non, mais je vais déjà ouvrir un JSON et puis voir... revoir comment je bossais et voir. Alors, éditeur de texte. Bon, ouais, si je peux en fait. Et donc, on va l'appeler dialogue. Ouais. En fait, si dans. Parce qu'en fait, là par exemple, j'ai mon layer d'inventaire. Donc, quand je bossais sur les. Mon JSON d'inventaire, quand je bossais sur les gestions d'inventaire, etc. Dans mon inventaire, en fait, j'avais découpé entre l'armure et l'inventaire, tu vois, du joueur. Donc c'était le même JSON qui me permettait de gérer les deux. D'accord. Donc c'est bien la preuve. Et quand je revois ma structuration, comment elle a été faite, je me retrouve, en fait, je me remets le truc en tête, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, on ferait ça. Ouais, tac, 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 ok. C'est-à-dire que si... Non, donc c'est un sprite aussi. Guten Tag, ich bin ich.
Ich ah oui, mais je parle pas allemand. Ich habe ein Knappech. Ça doit être à peu près ça. Je et ne l'ai pas fait Malesté. À moi non plus. Et merci pour ton follow. Bienvenue à toi. J'ai fait espagnol au collège et je peux vous dire que mon espagnol est rendu très loin. Ah non, j'ai repris le soutien scolaire quoi, depuis le début de semaine. Donc on a fait lundi, et, on a fait mardi et, et jeudi là. Et j'ai refait de l'espagnol, je me suis fait. Oui, aïe. Alors, si je vous épargne la vue de mon horrible bureau. Voilà. Je lance un sprite. Et. On va faire. Quelle taille on fait pour le dialogue de base? On va faire du. Donc, on est en 1280 sur 720. Allez, si on fait. Oui, je sais, l'eau. Si on fait 64 fois 5 fois 12 fois 15 960. Pas mal ça. Charlie a été voir un doc de Godot. Ouais, non, mais on utilise le système intégré déjà avec Orange, je crois, de mémoire. Pour la traduction français-anglais. On avait déjà commencé un truc comme ça. Parce que on avait fait. C'était où? On a un fichier quelque part. On a un fichier translation. Voilà, avec des keys déjà. Et t'avais déjà bien complété les keys. Mais ça, c'était plus pour les objets, pour l'interface et les objets. Ouais, bah oui, parce que. Parce que pour les dialogues, on n'avait pas le. Non. Et puis c'est vrai que pour les dialogues, on avait toujours. On avait justement encore. Ah, merci, le cher Ivari, tiens, ça. J'ai perdu son pseudo parce qu'on me connaît donc son pseudo. Mais j'ai pas. Non, mais il n'est que l'ombre de cher Ivari, ça c'est. C'est clair et net. Non, parce qu'il me semble qu'il est déjà passé sur le chat. Oui, je valide, je me souviens. Hop. Ah, donc 64, on a 128. Est-ce que je fais 256 de hauteur? On va voir, mais ça me paraît pas assez grand. On va voir. On a indexé. Hop, on a la palette par défaut. Ça me paraît pas. On va voir. Donc après, on va ouvrir mon superbe background. Yes. Et on va sélectionner. Donc j'ai besoin d'un 960, hein, c'est ça, sur 256, comme j'avais dit. Alors. Ew. Où est-ce qu'on voit la taille? En bas à gauche. Ah oui, voilà, oui. Oui, merci. Je regardais pas les bons chiffres. Exilinia. Oh purée. Bon, en même temps, c'est un pseudo compliqué. Comment veux-tu? Alors, on est 960 sur 256. Voilà. Tac. Alors. On nous dirait que c'est par là. Voilà, c'est ça. Hop. Hop. Voilà. Et donc maintenant, je pensais utiliser éventuellement ces couleurs-là. Pour faire un petit effet parchemin. Peut-être celle-là aussi. Alors. Selection color range. Si je prends. Donc ça, c'est les foncés, un peu plus clair, encore plus clair. Donc le plus foncé, c'est ça. Donc le plus foncé. Review. J'ai ça, si vous avez la réponse, je ne sais pas comment inverser. Ah, inverse une sélection?
Non. Là, j'ai sélectionné en fait la couleur, mais je sais pas. En fait, si tu veux, j'ai là du coup c'est l'index, je sais plus lequel, c'est celui-là, je crois, index 43 ou index 42, je sais plus. Et je voudrais que toutes les index 42 deviennent, par exemple, index 58. Ah oui. Ah oui, d'un coup en fait. Ouais, et ça, je Ah ouais, sais alors. plus. Alors ça. Je crois qu'on peut le faire, hein, j'en suis sûr. Je l'ai vu. Ah puis alors, comme. Et puis en plus, tu sais, j'utilise LibreSprite, j'utilise pas iSprite, le Ah bah vrai. tu vois, j'ai regardé un sprite pour une fois, moi. Mais Oh! ouais, c'est de ma faute. Faut que j'achète iSprite. J'attendais Non, les non, mais. soldes, mais faut que j'achète. Faut que j'achète. Oh, c'est bien, tu utilises. Non, c'est très bien, continue à utiliser LibreSprite. Ouais, mais il est moins performant. Tu sais le bug que j'ai de que ça rame. J'ai testé avec la Yep. démo de iSprite. Ouais. iSprite, ça le fait pas. Un sprite, ouais. Ah oui, d'accord. Donc, parce que là, sinon, je peux le faire manuellement, mais Mais bon, ça c'est regarde, cool. c'est fastidieux. J'avais fait comme ça, hein, ça, vu que je l'ai pas Ouais, déjà mais fait. si tu fais une brosse, si tu prends un crayon, tu mets une énorme brosse. Tu peux pas foutre un coup de crayon partout? Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu te mets un 50 pixels ou un truc comme ça, tu vois? Ouais, ça marche. Le médecin, c'est... Ah, c'est limité à 64 pixels. What? Oui, non, mais. Déjà 64 pixels, Ah, mais ça ramouille, tu vois. ça ramouille. Mais après, en même temps, t'as vu ce que t'as d'ouvert Non, mais ça n'a rien à voir avec ce Ah qui est ouais? Non, ouvert, ça c'est le ramouille aussi. logiciel. Ah oui, d'accord, ok. C'est le Bon, après. logiciel qui est... Bon, c'est déjà C'est plus quand même plus. rapide que... Ouais, c'est ce que j'apprête à dire. Tu n'oublieras pas de faire en bas à gauche, parce qu'il te manque un tout petit poids t'as là. raison. Bon, je sais pas si c'est la bonne couleur, hein, mais... Tu te souviens d'un effet imprimant du haut vers le bas? Je me souviens absolument pas de ça. Alors ensuite. Mais Sam, rediff et puis tu retrouves. Ah non, j'ai oublié encore. Des petits bouts. Voilà. Ensuite, sélectionner. Color range. Donc, index 43, il n'y en a plus. Très bien, Index Phil. 42. Donc là, on est Merci, un Sam. peu plus clair. Pas sûr qu'on arrive à un joli effet de parchemin. Vous voyez, ça va être trop foncé. Ouais, je pense. En fait, t'aurais peut-être dû partir à l'inverse. Commencer du Bruckner. Et foncer après. Et foncer après, ouais. Mais oui. On essaye, on essaye. Ouais, ça... Mouais. rame à fond. Ram. Ram. Je compte bien, Mimi. Off. Oh, quoi tu veux. Ah, il reste un pixel à la con. Ici. Voilà. C'est Alors. vraiment un pixel. Ah oui, vraiment. Parce qu'en fait, comme ça des carrés, mais c'est Ouais. pas des carrés de un pixel que t'as, c'est des carrés qui sont plus gros. Alors, il est plus clair celui-là, mais il est presque aussi clair. Désolé, je pouvais pas savoir où. Hop. Bon, c'est pas déconnant. Non.
Bon, après, je suis pas sûr que... Là, j'utilise le fond, donc un motif de carré. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire pour avoir un espèce d'effet parchemin? Je suis pas sûr. Moi non plus. Mais bon, là, c'était histoire d'être un peu raccord pour l'instant avec ce thème de l'interface que j'ai choisi. Mais... Je suis en train de perdre le jeu. Enfin, le logiciel. Voilà. Ah, c'est ce qui est... Je me déplaçais trop vite. Et enfin, le plus clair. Et là, ça va faire très très clair. Ah, ou alors il y a celui-là. Qui est un peu moins clair, je pense. Parce qu'après, quand on bosse avec Photoshop, là, ça fait plus un effet bois, non? Tu crois pas? Ouais. Avec Photoshop, on pourrait plus facilement gérer, mais on s'écarterait de la palette en fait. Ouais, bah, ou faut reprendre la même palette. Ouais, mais avec Photoshop, non, mais là, enfin, quand je dis changer, on pourrait. Je veux dire, on pourrait jouer sur le contraste, la luminosité, ouais, bah mais oui. Du coup, on serait plus dans la même palette justement. Ouais, c'est pas faux. Ça fait un côté gruyère un peu. Alors, gruyère est-il français ou... Il me semble qu'on nous a soufflé dans l'oreille qu'il était suisse. Ouais. En me disant ça, j'ai eu un doute à me dire, attends, ça a été posté en public ou en privé, cette histoire de gruyère? Je ne sais plus. C'était en public, il me semble. Bon, c'est trop foncé. On va recommencer en se disant... En partant du plus clair. Ouais, qu'on part du plus clair. En partant de celui qui est en haut à... Ouais. Ah. Bien. Pas sur mon truc. Donc c'est celui-là le plus clair. On part de celui-là. Alors après, est-ce que t'es obligé de garder cette même répartition, tu vois, entre le plus clair et puis on aurait pu partir, enfin, tu vois, se dire ça c'est notre couleur de base, donc la mettre où il y a plus de pixels et puis. Je pense que la couleur de base ça va être l'autre. Ce serait l'autre pour toi. Ouais, je vais essayer. T'as peur que ce soit trop clair ça. Ouais. Enfin, disons que. Par rapport à la couleur de base, je pense qu'il faut mettre à certains endroits des couleurs plus claires que la couleur de base. Et ça, c'est la plus ouais. claire que j'ai. Okay. Donc c'est pour ça. Mais... Normal l'index 5 de ta playlist Rediff Astrater. What? Oui, c'est exactement ce que je suis en train de me dire, donc j'allais voir en même temps. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Et après, ce que j'ai le plus, c'est quoi, c'est ça? Oh. Tester avec ça. Ah, c'est qu'il y a... D'accord, dans ma playlist, il y a une vidéo qui fait pas partie d'AstroTerre. Ça doit être quand j'ai ajouté des vidéos à d'autres playlists, je les ai pas mis. Par défaut, ça a dû sélectionner la mauvaise playlist. Au lieu de me mettre dans Godot, ça a dû, dans ma playlist Godot perso, ça a dû me mettre dans la dernière playlist que j'avais sélectionnée et c'est pas la bonne. Ok, bon, faudrait que je change. Bon, effectivement, c'est... Après, ce que je peux faire, c'est mettre deux fois la même couleur, tu vois, pour ouais. Utiliser plus
Celle-là, par exemple. Même si c'est pas la plus jolie. Ou alors je fais ce que t'as dit, je mets la plus claire. Ah non. Peut-être remettre la plus claire, finalement. Ouais, je... Parce qu'en fait, pour moi, c'est celle qui fait le plus parchemin, tu vois, en termes de... Yes, d'accord avec toi. Donc là, on est bon. Et il nous reste plus qu'un seul truc. Donc là, si je mets ça, ça va peut-être être très foncé. Là, là c'est là où c'est le problème. Ouais, non, c'est trop foncé. Enfin, tu vois, rien que premier coup de pinceau. Ouais, ouais, je vais même pas tout faire. Non, non, c'est ça. Je pense que ça vaut même pas le coup de continuer. Ouais, et puis en deux couleurs, c'est pas très joli. Hein. Ouais, bah oui, non, j'y pensais aussi, mais en me disant non, ça matche pas. Et si t'essayes, alors ça va peut-être faire un peu moins bizarre. Gris à côté du jaune en haut. Là. Alors, le gris à côté du jaune. Le troisième en partant de la gauche, si tu préfères. C'est là, là. Ouais. C'est celui que j'ai utilisé. C'est ce que t'as utilisé déjà ? En fond principal. Ah oui, d'accord. Bon, on a qu'à côté. Il est très jaune citron. Ouais, ça fait vraiment jaune citron. Bah, je sais pas. Après, regarde, je vais remettre un peu plus de jaune. Et sinon, ouais, on se prend pas la tête, on fait tout d'un seul jaune. Tout jaune. Non, mais en vrai. Hein, ouais. Surtout que, bon. Enfin, tout, on va dire tout crème. Alors remarque le jaune citron, j'étais un peu mauvaise langue, je sais pas si... Ah ouais, non. Mais ça va pas forcément avec l'autre jaune foncé, non. Tu vois. Ouais. Oh. Votre avis, Miniover? Je vois que je... C'est moche. Moi, je suis pas... Là, disons que si on compare avec le parchemin que j'ai piqué de Minecraft Dungeon, on est quand même pas sur les mêmes teintes. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est lisse et qu'il y a des tout petits carrés, en fait. Il n'y en a pas partout. Moi, j'en ai peut-être mis trop, en fait, là. Clairement, c'est peut-être ça qui va pas. Donc, c'est quoi ? On va... Fond uni. Ouais. Donc, on va... New layer... Celui-là, on le supprime. Hop. On unit celui-là, je dirais. Ouais. Ouf. Oh, c'est beau. Là, en vrai, la couleur est pas mal. Ouais, bah voilà, tu vois tout de suite. Et quelques carreaux à droite, à gauche, tu vois. Alors après, alors, par contre... est-ce que on garde ce fond uni ou est-ce qu'on intègre notre pattern Tu sais ça là. Sur les côtés. Ça peut. Et on ça met quelques pourrait. Carrés de temps en temps, mais on intègre ce pattern là. Essaye donc d'intégrer ça, mais en plus foncé. Ouais, oui, tout à fait. Alors, je prends ça. Alors, c'est tout petit, hein. Mais. Ouais. Alors, tac. Ah, par contre, attends, non, j'ai fait une erreur. Donc ça, c'est le fond. Je vais faire un nouveau layer. Ouais. Là, je me mets en symétrie.
Oups. Le pinceau est un peu gros. Ton pinceau est toujours en 64. Donc là, pour l'instant, je mets en noir. Hein. Ouais. Mais... Attends, c'est pas assez. Mais... Non, je veux un pixel. Tu es long, les deux, il fait deux. D'ailleurs, j'ai pris quel noir? J'ai pris celui-là. On changera la couleur après. Ouais. C'est petit, hein. Ah, c'est trop petit. Pour moi, c'est bien son idée, mais il faut grossir le zigoui, quoi. On va voir déjà par rapport au jeu, ce que ça donne. Ouais. Parce que je suis pas sûr de la dimension du truc, quoi. Alors, on va faire un petit save as. Donc ça c'est dialogue background. Ressources UI et on la met en PNG. Quick, et du coup, UI, background, ouf. Et bon, écoute, en vrai, la taille, elle est parfaite. Alors, ne faites pas attention au portrait. Point grosse, non, je sais pas. Non, parce que t'imagines, il faut qu'on écrive des choses dedans. Hein. Ouais, ok, mais après, les portraits en fait. Ah oui, les portraits ils sont pas la bonne taille, hein, les portraits. Oui, non, mais voilà, c'est pour ça en fait. Les portraits, mais je veux pas modifier la taille parce que là, la taille c'est juste en fonction du pixel. Mais en vrai. Bah oui, mais si je les grossis après, quand je vais changer la texture, ça va aussi grossir. Ouais. Je veux garder une taille 1, si tu veux, une échelle 1. Ah, une échelle 1, ok. Là, les portraits c'était juste pour les voir et puis. Ouais. Et du coup. Ah oui, il faut que je sauvegarde. Dialogue, c'est UI. Voilà. Et... Donc, les fioritures... Faudrait voir... Attends. Si... Doublé ? Ouais, et puis attends. Dialogue page. Là, je vais tout de suite... Je vais ajouter une scène enfant juste pour tester, je la supprimerai après. Dialogue page. Hop. Bah, c'est juste pour voir la taille. Mais ça. What? Ah oui, c'est au niveau du. Non. What? Au niveau du layer? Voilà. Peut-être. Ouais. Eh ben non, c'est même pas le layer, tu vois. On voit pas, mais... Ah, pardon. Bon, peu importe, on s'en fout pour l'instant. Bon. C'est pour voir la taille. Ouais, mais doubler la taille des fioritures, peut-être, ouais. Ouais, parce que c'est petit zigouigoui. En fait, là, je comparais par rapport... Remarque, c'est bien qu'on voit les icônes, parce que là, les igougou, ils ont exactement la même épaisseur. Ouais. Mais effectivement, ce serait pas déconnant de doubler l'épaisseur. Non, vu la taille de la zone. Après, la taille de la zone, elle me paraît cohérente avec ce que j'avais imaginé. C'est plus grand, mais c'est bien que ce soit plus grand, parce que là, il n'y avait pas tant de place que ça, finalement. Non. Et ça laisse quand même de la place pour qu'on voit le fond flouté. Alors, si j'imagine pareil, les parts des PNG, ça va être comme ça debout, non. Ou juste deux icônes, deux têtes, quoi. Je sais pas. Moi, j'avais mis plutôt portrait.
Là, pour le coup, je peux vous montrer un petit peu mon... Enfin, pas mon inspiration, mais... Il y a un gars que je suis qui a fait un... qui a fait toute un... une vidéo super sur les dialogues. Donc, je vous montre. Je coupe le son. Écran de droite. Donc, c'est lui, Adam C. Younis. Et tu vois, il a fait The Evolution of My Games Dialogue System. Mais il partait plutôt d'un, du point de vue du principe. Donc, il est parti d'un truc comme ça, avec une page, avec les portraits comme ça. Il a évolué vers un système comme ça, avec portrait, toujours la page, tout ça. Mmh. Et bon, sa vidéo elle dure 3 quarts d'heure, je l'ai écouté. C'était intéressant. Donc après, voilà, il parlait d'autres jeux qui avaient des systèmes de dialogue comme ça. Ouais, en gros, il donnait ses exemples, ses références, quoi. Ses références. Et il arrivait un truc un peu comme ça, avec des portraits comme ça. Tu vois, bah, tu vois, je suis moins fan. Alors, en fait, ça fait une pop-up. Voilà, par exemple, tu vois, en fait, ça se place un peu en fonction de l'environnement. En fonction de l'environnement, ouais, d'accord, ouais. Et ce que, ses portraits étaient pas mal, donc je dirais dans un... Je ne sais pas si c'est le vrai jargon, mais c'est portrait américain, hein, tu vois. C'est ouais, il me semble que c'est le bus ça. Comme ça. Hein. Alors, je me disais, est-ce que pour nous, ce serait pas mal, tu vois, portrait un peu américain, où ouais, ça s'arrêterait ici, tu en verrais que les épaules, je sais pas. Je sais pas. Après, enfin, la question à se poser aussi, c'est est-ce que... C'est-à-dire que c'est des assets graphiques à faire en plus, tu vois. Ah bah, c'est ça le souci. C'est alors après... c'est une question que je vais clairement poser. Est-ce que dans un premier temps, on peut pas rester sur des assets basiques, tu vois, juste des têtes on a des, comme on a déjà la tête du joueur, tu vois. Tête de joueur, tête de PNJ, enfin, tu vois. Mm-hmm. Et puis à voir à l'avenir passer sur une V2 retravailler le graphisme en fait. Oui, de toute façon, dans les faits, c'est ce qui va se passer. C'est un peu pour ça que j'ai mis les. Voilà. Le petit monstre hein, de Godot. Ouais. Bon. Je crois qu'il a un nom, mais je t'avoue que je ne connais pas. Je sais pas. Enfin, les portraits américains, j'aimais plutôt bien. Après, voilà. Ouais, après. À voir. Bon. Donc, faut grossir le trait. Alors. Ah oui, du coup. Ouais, il me prend pas ce que je veux. Alors, si je prends que ça. Ça me déplace. Voilà. Ça ramouille en fait. C'est ça qui est relou. Puis ça marche pas bien ce que je veux faire. Ça ne marche pas du tout. Donc faut que j'arrive à faire ça en double en fait. Non, je crois que c'était bon ça. Alors, la hauteur de ça. J'avais un peu galéré à faire mon truc pour les proportions.
Que là, ça représente quoi? Ça représente l'épaisseur? La même épaisseur. Ok. Alors, j'ai sauvegardé Canon Boulet. Au lieu de faire CTRL Z, j'ai fait CTRL S. Ah. Pas grave. Bonne fin de soirée, Marine Vess. Bonne nuit, Marine Vess. Ah oui, t'es parti du bas, moi j'aurais fait l'inverse, je serais parti du carré, du coin en haut en fait. Oui, oui, non, mais sûrement qu'il aurait peut-être fallu faire comme ça. Je crois que là je suis pas trop mal. Ouais, t'es pas mauvais. Parce que... T'as un joli meuf. Ah. C'est bon. L'important c'est d'avoir la même taille partout. Ouais, c'est ça. Donc. Ah. Ah non. On va faire comme ça. Ça, c'est ça. Ok, ça. Ok, ça. Ok, la même chose. Ouais, ok, là je suis bon là. Ouais. Mais à gauche, de toute façon, je. Ouais, ouais, ça me paraissait bien. Plus comme ça. Ouk. Un pixel de trop. Oh, je suis pas mal là. Évidemment, en prolongeant. Allô. Voilà. Je pense qu'on est pas mal là. Ah, c'est bizarre. Pourquoi ici ça m'a fait un décalage? Alors là. Je vais virer la symétrie. C'est chelou. Pousser la porte comme si c'était un bélier, quoi. Ça donnerait ça. Ah, bah c'est mieux. Attends, on va le virer. Ouais, c'est très bien comme ça. C'est mieux.
Bon, après, je sais pas si on restera sur un truc aussi rectangulaire. Hein. On essaiera d'affiner Ouais. un peu. C'est pas très joli comme ça, quand c'est trop grand, trop. Là, c'est vrai que le côté parchemin était sympa. Ouais, bah oui. De ça, je veux dire. Ouais, non, mais bon, on voit pas, mais ouais, voilà. Bon, maintenant on avait dit éventuellement des carrés. Alors, t'en fais qu'en haut, Des carrés? Non, des trucs en noir? Je sais pas. T'en ferais en haut et en bas, toi? Ouais, donc tu refais pas une bordure complète en fait, comme on avait sur les petits carrés en fait. Non, j'ai fait ça pour Ok. les dés. J'ai fait ça Ah pour oui, les j'ai dés, pas je fait trouvais que ça gaffe. faisait pas mal. Ok. Par contre, je garderai pas cette couleur-là, moi. Non, Moi, je non, changerai non. en noir. Je changerai déjà, parce que déjà en fait, qu'au fait de changer de couleur, je pense que déjà ça peut être moins flashy, tu vois. Alors, tac, mettre la symétrie. Non, mais tu fais une sélection de couleurs et puis tu changes de couleur. Mais pourquoi il veut pas? Pourquoi j'ai plus le. T'es pas sûr. T'as verrouillé ton canque, mon cher. Non. Non? C'est parce que je suis pas sur le bon outil. Ah. Je fais ça. Ça le fait bien. Voilà, ça le fait bien en symétrie. Ah oui, bon, bah. Faire comme ça. Donc, Ah, ça marche pas. Ah, dommage. Et pourquoi? Un marche un coup, mais pas l'autre, quoi. Pourquoi? C'est bizarre. Alors là, ouais. Bon, il y a peut-être encore des bugs, hein. Ouais, c'est bizarre, parce que la symétrie, quand même, elle est parfaite. Bon, non, ça fait un peu verdâtre. Ouais, non, non, je. Marron? Ben, non, moi j'aurais plus vu dans les couleurs que tu utilisais jusque-là, en fait. Ouais, mais si on veut faire des petits carrés, après ça va nous gêner, non? Ah oui. Oups. Mais what? Oh yaï. C'est bizarre. Hein. Ah, c'est pas mal ça, éventuellement, ce marron-là. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Bon, et les carrés, franchement, je sais pas trop. Donc, si je prends. Non. Faudra pas sauvegarder ça. Si je prends un endroit du pattern. Salut Julien the Monkey. Prends un carré, non? Prends un pattern. Moi, je sais pas. Ok. Ah, très bien. Ouais, mais après, faut le caler, quoi. Pas forcément, mais. Bah, ouais, je sais pas. Bah en fait, où c'était sympa leur carré, c'est que ça faisait pas des. Tu regardes bien, c'est pas des vrais carrés, en fait. C'est des. C'est-à-dire que sur ton carré, il n'y a pas tout qui est. Non, moi j'aurais pas utilisé Ça fait ça. les oreilles de Mickey. En couleur, moi je serais passé sur un. Sur. Une espèce de sabre Khmer, là, qui est en bas, là. Ouais, non, ouais, c'est nous. Oui, ben, le dernier que t'as pris en fait. Le dernier que t'as pris. Ah, c'est pas si pire. Ouais, tu vois? Et après, ouais, je veux. Ouais. Juste comme ça. Tu vois ça, mais déjà ça casse un peu le. Ah, t'as trouvé pour la couleur? Oh. Ah! Oh. GG!
Edit, change color. Replace color. Ah oui. Ah purée. GG. Propre, ok. Sam, pardon. GG. Hop. Bon, c'est pas mal ça, en fait, finalement. Bah voilà, tu vois. Du coup, si je prends un autre pattern, je sais pas, ici. Un truc plus grand, allez. Ça y est, on fout. On va le mettre où? Là, 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 on verra. Hop. Ah, ça fait peut-être beaucoup là. Voilà, un seul, ça serait peut-être pas mal. Hop. Peut-être un tout petit peu trop carré. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Ah oui, t'as les deux sur la même. Ouais, j'ai les deux sur le même, c'est pas gênant ça. C'est pas mal, hein. Ouais, tu vois, c'est tout bête, mais. Ouais, ouais. Bon, pour l'instant, on va laisser. À la limite, on va laisser ouais. Comme ça, parce que de toute façon, c'est pas. Ça va être du provisoire qui va durer peut-être longtemps, mais. Après, furiture, ouais. C'est du provisoire qui peut durer. Oui. Et à chaque fois que tu me vois, tu ne fuis pas. Tu ne dis pas, tu diras pas, oh, faut que je refasse. Non. Alors, est-ce qu'on met les furitures en haut, en bas? Ah, je l'ai décalé, évidemment. Hop. Et du coup, les carrés, on va les décaler à ceux-là. Ouais, c'est que c'est les carrés qui tuent. Oui, c'est ça. On va peut-être laisser comme ça avec les furitures en bas aussi. Hein. Moi, ça me choque pas. Au contraire, pour moi, ça encadre vraiment ouais. Ma zone, tu vois. On verra après plus tard un jour si on part sur vraiment un vrai parchemin. Ouais. Parce que j'aime bien l'idée du parchemin. Le jour on aura quelqu'un qui nous fera des graphismes. Oui. Ou quelqu'un, si elle voit la relief. Pas mal. Oh, c'est bien. Bon. Maintenant. Il nous faut notre zone de texte. Yep. Et éventuellement notre zone de choix. Ouais. Alors on pourra utiliser, je pense, un conteneur. Alors déjà on va bien le placer celui-là. On va le centrer. Ouais, donc, déjà. Position. Donc 640 c'est non, mais c'est 640 voilà. Pour qu'il soit plat, parfaitement centré. Et là, on va mettre 590 parce que ça a l'air d'être pas mal. Non, faut le baisser un peu. Éventuellement, attends, je vais le snapper. Ah, 592, exactement, bien joué Mich.
Eh mais oui. Donc les portraits, eux, par contre, on s'en fout parce que pour l'instant, Ouais. pas le bon truc. Mais au moins ça s'est centré. Donc après, je me disais, je vais sûrement utiliser le même principe que pour les dés, c'est-à-dire tu sais avec les H-box H-box conteneur. container, mais là plus Ouais. exactement un V-box container. Exactement. Bon, on va voir ce que ça donne. Ajouter un V-box. Où est-il? Il est là. On le déplace. On le met là. Sans lui, il se centre automatiquement. Non, il se centre pas automatiquement. Non, Ah non, non, c'est que ça non. se centre dans la page, C'est d'accord. à l'intérieur que ça va Ah, se c'est oui, centrer. pardon, oui. C'est dans les. Alors attention, en vertical, faut pas mettre expand pour moi. Parce que si tu mets expand, On si va t'as du voir. texte, si t'as une zone de texte qui est plus grande, elle va s'étendre. Je pense qu'il y a peut-être de ça aussi, non? On va voir, on va voir. À voir, ouais. Après, il faut En tout jouer sur la cas, séparation aussi, elle est importante. Pour les dés, c'est ce que j'ai fait, j'ai joué sur la voilà. Ouais, bah oui, séparation. ouais. Donc le rectangle, position, 194. Ah oui, par contre, là, alors, là on va déplacer l'encre. Voilà. Non, alors c'est là l'encre. Non, elle est où l'encre? Ah, c'est. Bonne nuit, Hugo. Bonne nuit, loulou. Bon, bah, 94, moi je veux bien, mais. Ouais, t'aurais voulu mettre en fait ton encre en haut à gauche du. Bah, j'aurais voulu centrer, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Alors, la taille. On va mettre 900, hein, on va faire des chiffres Bah, ronds. si tu en disposition sur écran, en vert, si tu mets centré, tu peux pas te centrer en bas, non? Tu as pas un truc centré là-dedans déjà? Oui, mais non. Ouais, dommage. Non, en plus, le problème d'un système comme ça, c'est que tu vois, à déplacer l'encre qui est en haut à gauche, tu te retrouves parfois à plus pouvoir cliquer. Tu sais, on avait le Ouais, peut-être moi, souci quand on avait rajouté des trucs d'interface, on pouvait plus cliquer sur rien parce que ça se mettait par-dessus. Enfin bon. Truc un peu. On va laisser comme ça. Donc ça serait, on va appeler ça comment? Voilà, dialogue VBox container. J'aime bien quand même mettre des noms un peu plus explicites. Je suis pas sûr qu'on soit bien centré. Me paraît mieux. Là, je peux éventuellement snapper aussi, en fait. Hein. Voilà. Bref. Et donc, à l'intérieur de ça, on mettra les choix et donc. C'est là où est-ce qu'on met un label ou est-ce qu'on met un rich label? Moi je partais. Partir sur un rich. Hein. Mais moi je partirais sur un riche label tout de suite. Parce que pour moi. Regarde le label, hein, mais. Non, non, mais on aura besoin de pas mal de. Non, non, mais il faut partir sur un rich label. Donc ça va être. Ah, toi, pourcentage. Pourcentage visible. Toi, directement, je vois Ah oui, l'option. exact. Donc, ouais. Donc dialogue texte et on en rajoute un autre dialogue choices on met un S au pluriel en choice Je mettrai un S. Alors par contre,
Est-ce que c'est du dialogue choices parce qu'en fait, t'auras un choix A, un choix. Enfin, toi, un choix A, un choix B. Je dis pas 1 et 2 volontairement. Mais, alors, est-ce que t'en as besoin que d'un ou est-ce qu'on. Toi. Ah non, on pourra mettre 1, 2, 3, 4. Ouais, ok. Après, ouais. Pour l'instant, on verra l'usage. Pour l'instant, on va partir sur un cadre fixe. Mais on peut aussi se dire que si on a des grands dialogues et beaucoup de choix, on peut agrandir cette fenêtre, tu vois. Moi, des grands dialogues, je verrais plus en plusieurs pages. Yes. Et donc après, il me faudrait un bouton. On va faire un texture button. Ouais, pour faire suivant. Non. Ouais, c'est ça. Alors justement, en fait... Next button. Ouais. Mais justement, tes choix, est-ce que tu veux faire on va faire en bouton aussi, peut-être? Si on est logique. Oui. Ouais, c'est logique. Non. Alors, est-ce qu'on... Alors, on fait un next button? Ouais, alors, attends. Vas-y. Si on fait un bouton, ça veut dire que le texte va apparaître à l'intérieur d'un rectangle. Et c'est ce rectangle sur lequel on pourra cliquer. Pas très joli. J'aimerais bien qu'on puisse cliquer sur un texte, par exemple, qui se met en surbrillance. Enfin, tu sais, qui change de couleur au survol de la souris. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais qui n'est pas un vrai bouton. Ouais, après, là, je reprenais l'exemple qu'on avait tout à l'heure devant les yeux, en fait, quand c'est... Il utilise des commandes, des touches, en fait, c'est A ou B, tu vois, donc ouais. C'est directement, ouais. Moi, je verrais bien un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et quand tu passes ta souris dessus... Ouais, en fait, ouais, ça... Voilà. Ça change de couleur. Ouais, ok. Alors. Le problème, c'est que, ouais, je vois ce que tu veux rendre. Est-ce que c'est faisable? C'est une autre question. Je suis sûr que c'est faisable. Et du coup, je pense que c'est. Je suis sûr que c'est. Et peut-être avec un riche label. Mais plusieurs, sûrement... peut-être. Voilà, en fait... c'est sûrement faisable, mais peut-être pas, à l'intérieur d'un unique riche label. Exactement. Donc en fait, à mon avis, il faut remettre un vertical container qu'on appelle choice sees vbox container hop, avec les choix à l'intérieur en fait. Ouais, c'est ça. Et là, du coup... Et par contre, c'est là que peut-être qu'on pourra imaginer dans le code de se dire on a un ou plusieurs choix, et donc ben, comme tu fais avec TD, tu vois. Ouais, tout à fait. Exactement, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Pour l'instant, on va en laisser un seul, peu importe, pour le début. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, je pense qu'ici, on aura des scènes instanciées de choix différents. Ouais. Pour pouvoir justement stacker 1, 2, 3 ou 4. Tu vois, ouais, t'as raison. C'est même pas forcément des scènes instanciées, c'est des nœuds instanciés. Si je mets... alors attendez. Ah purée, comment ça s'appelle? Attendez. Voilà, c'est ça. Alors on voit pas ce que tu fais. Hein. Je sais, c'est fait. C'est l'exprès. D'accord. Prêt. Attention. Alors. Ah! Il a vu ce que j'ai rajouté. J'ai vu ce que tu avais rajouté. Mais ça ne marche pas.
Alors, Mais maintenant. alors c'est peut-être normal parce que c'est peut-être ton texte. T'as ben non pourtant ouais, t'as un truc. Ouais non t'as un compte dans les vies. Ouais, c'est... Toujours des trucs que je contrôle une que je me suis battu. Oui, je suis d'accord. Ah voilà, ça marche. Ah. Alors. Ah. Ah, il y a vraiment beaucoup de... Ouais. Ouais, tu peux jouer avec et... Ah toi, regarde sélection commence. Mais après c'est la sélection et la couleur. Enfin c'est la couleur et la sélection, mais nous on veut pas forcément sélectionner. On veut En fait, nous, toi, ce que tu voudrais faire, c'est qu'on survogue, tu Oui, vois, mais ça, je suis mousse, sûr que c'est mousse faisable over, avec des nœuds. ouais. Regarde, focus enter, focus Ouais, c'est ça, excited. voilà. Voilà, mousse enter, mousse Ouais, c'est excited, ça, c'est ça qu'il nous ouais, faut. mais Au c'est niveau ça. des signaux, tu vois, ils Ouais, c'est sont. ça. Oui, ils sont C'est pré. lié au nœud contrôle, Ouais, donc c'est ça. Ouais, c'est parfait. facile à faire. Alors, par contre, donc la couleur, on est d'accord, mais. Normal fond, c'est ça. Mais t'avais des fonds de toute façon déjà Bah ouais, de. c'est ça que je veux. Bah Mais je chargé. savais. Oui. Mais je savais. Enfin, je réfléchissais où les mettre en fait. On va prendre du Minecraftia 10. Petit. C'est petit petit. Voilà. Alors, par contre. Par contre, il coupe en haut, c'est Il bizarre. coupe très bizarrement. Et puis la casse, enfin c'est bizarre. Ouais. Alors, si je lance. Attends, scroc active. Désactive le scroc, voir. C'est bon, c'est juste visuel. Ok. Ça le fait pas. Ça Ouais. fait un saut de ligne bizarre quand même. Tu vois, entre la deuxième ligne là ici, on a l'impression que c'est pas la même. Ouais, on sera à 1, il y a 2, on sera à 2, il y a 3, on est d'accord, ouais. Ouais, bon, à voir. Mais sinon, ça s'est recalé bien. Ouais. C'est pas mal, hein, cette taille-là. Ouais, après, C'est un peu petit? ben, en fait, je vous dis, ça fait beaucoup de dialogue. En fait, toi, si on met si petit que ça fait beaucoup de dialogue à lire Ouais. sur une case, tu vois, quoi. Oui, sur une page. Sur une page. Ouais, on est Ben, en fait, d'accord. sur C'est une un page, petit peu gros, un petit peu petit, ouais. tu peux écrire un récit, quoi. Alors, j'aime bien écrire moi. Ouais, d'accord. Mais je suis d'accord, c'est trop. Vaut mieux faire plusieurs pages. Ouais. Hop. C'est un truc con, c'est que t'as pas l'impression de perdre ton temps, tu vois. Enfin, tu perds. C'est vraiment qu'une notion d'impression, mais. Alors, j'ai pas au-delà de 14. Donc, on va devoir. On Alors, repense attends. à changer de scène? Donc size enregistré sous on va mettre quoi? On met 20, on tente Ouais, on 20 peut essayer. et je recharge la scène. Ouais, tu vois, déjà 20, c'est. Pour moi, c'est mieux, quoi, toi. Ouais. Par contre, c'est bizarre cette Alors. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un saut de ligne? Alors, c'est peut-être un saut de ligne bizarre dans ton texte. Dans mon copier. Voilà, déjà. Ouais. Alors, on revient là. Après quel mot? C'est après Risus. Pourtant, là, ça a l'air d'avoir aucun. Il y a l'air d'avoir aucun. Comment ça s'appelle? Non, il n'y a rien.
Alors après, est-ce que tu as... Ah, regarde. Ah, attends. Regarde. Ouais, bah oui. C'est génial, ça. Ouais. Bah oui, c'est ça en fait. C'est... Mais ça, par exemple, c'est une option qui va te permettre de faire afficher ton texte petit à petit, tu vois. Ah, non, c'est parfait. Tu fais un 1 plus... Enfin, tu vois... Ouais, tu... Alors, mets tu fais un 0,1 plus... plus égal. Tab size. Tu repasseras... Tu... C'est quoi ça? Non, mais j'en fais exprès parce que ça s'actualise... Ah oui! Mais c'est que moi, après, moi, je vois pas les options que tu modifies, donc... Scroll active. Ah. Mais ça, y a pas assez de... Ton scroll active, ouais, t'as ouais. pas assez de texte, en fait. Custom effect array. Coucou Grévy. Bonsoir Grévy. Ce que je peux faire, c'est ça. Voilà. Ouais, pas fou. Alors, stat au niveau. Non, c'est bizarre. Alors. On peut mettre des ombres. Même ça, que oui. Je ne vois pas de, de changement. Mais après. Ah. Ah. Line séparation, ah, ça voilà. change un petit truc. Ouais, eh ben active et change de voir. Ouais. Ok, c'est l'interligne en fait. Ouais, c'est l'interligne. Mais par contre. Oh! Oh, génial! Alors, t'as bien aimé? Va... Il y en a un qui va être jaloux. Non, tu me l'as vu ou pas au final? Ça y est, je l'ai vu, pour... je l'ai vu, je ah, l'ai vu samedi vu, je... dernier. Je savais plus en fait si tu l'avais vu ou pas. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de voir la suite. Bon, ça. Ça ne. Il est bien. Ça ne résout pas notre bizarrerie. Oh, il y a vraiment, il y a une bizarrerie. Je sais pas quoi vous êtes c'est... d'accord avec nous sur le chat, vous voyez, enfin, ou bah oui, si entre le U et le E là, qui sont des minuscules, il y a quand même bah, plus d'espace. Si bon, je vais avec la souris, regarde. Je bah si pas, ça je se me voit, permets, regarde. Oran, repasse sur ton écran. Avec la souris, on le voit. Regardez, là entre le U et le E, j'ai largement la place de mettre mon curseur, alors que là entre le O et le U, ça passe pas. Ouais. Ouais, la direction artistique elle est magnifique, ouais, tout à fait. Et les acteurs jouent bien et tout. Ah ouais, en les fait, horaires, problème d'horaire. Donc en fait, pourquoi j'ai l'impression que c'est entre ta première et ta deuxième ligne que t'as un bug. Oui, 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 c'est que la première et la deuxième, ouais. Parce qu'après, il y a. Non, après, l'écart est cohérent. Mmh. C'est constant, alors pourquoi? Si tu supprimes par exemple ton set non résus sur ton texte. Enfin, toi, limite, toi, ce bout de phrase là. Ouais. Voir si ça réagit toujours pareil, tu vois. Ça fait la même chose. Ouais, non, c'est bizarre, ouais. Alors, what is this shit? Nope. Et si tu mets un espace, enfin, toi, si tu fais entrer pour sauter une ligne au début de ton texte. Là, tu vois, j'ai fait entrer pour rajouter une ligne. Ouais. Et du coup, l'erreur. C'est reproduit. Alors, attends, il doit y avoir un truc dans le texte, c'est pas possible. c'est... Il doit y avoir un caractère invisible dans le ah, texte, ça doit être ça. Désolé, Charivari. Charivari qui est stressé parce que le texte n'est pas justifié. C'est obligé de justifier un texte. Non, là je viens de copier mon texte d'abord dans le bloc-notes pour supprimer tout le formatage. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Le formatage et ça. Donc le problème vient de Godot. Bah on dirait. Et si t'enlèves le meta underline, ça fait quoi? Je sais pas à quoi ça sert ça. Si laisser trou. On peut faire des meta tags comme des ah, URL. D'accord. On peut le supprimer, mais ça, je pense pas que ce soit ça.
Visible caractère moins 1. Peut-être un bug à report. Ah bon ben. On est d'accord que c'est bizarre quand même. Après, c'est peut-être lié à la police d'écriture. Peut-être aussi. Alors attends, effacer. Non, ça le fait aussi. Là, il y a, c'est l'écart est pas le même, mais c'est plus large. Il ouais. y a bien un sous-sail. Non, t'es dans la dernière version que demande Gabi. Je suis en 3.3.3. 1.3.3. Je suis pas dans la dernière version. Et moi, ça va être pire parce que je vais être en 3.3.2, je crois. Ouais, bon. À voir. Pourquoi ça fait ça? Ça se voit quand même, c'est pas bon. Allez, on ne s'arrête pas là-dessus. Je rétrécis un peu le texte. Et du coup, maintenant, si je rajoute un choix. Et que du coup, ça, il va falloir que je. L'expand du coup. 1-1. Ton choice VBox container est expand ou pas? Non. Je pense que non. Ah. T'as raison. Size flag. Voilà, bien vu. Je sais pas, tu vois que tu. Ouais, non, parce qu'en fait, j'ai surtout vu le message de. J'ai surtout le temps de voir le message de qui disait « Attention, la taille des enfants est déterminée par la taille des parents !» C'est vrai, dans le carnet de santé, t'as une formule pour calculer ça. Ah ouais. Alors, default, hop, voilà. Je mets en noir. Je mets le fond. Je me le mets à la même taille. Pour l'instant, ouais. On fait la même taille. Fonte, 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 fonte. Ouais. La fonte. Parce que ouais. Pourquoi ça a disparu? Attends, si tu. Vérifie que tu ne vois. C'est pas parce que tu ne vois pas. Parce que comme ta fenêtre est plus grande. Ah non. En main fonte, juste en fonte, j'ai pas aimé. Non, c'est juste. Non, c'est bon. C'est visuel, comme tout à l'heure. Coucou. Ok. Par contre, il est pas centré. Il devrait être centré. Tu voudrais que je centre? Moi, j'ai pas dit de le centrer. Hein. Ah non, d'accord. Je pensais que tu partais. Ah oui, non, pour moi, on partait sur un centré, mais après, non, pas forcément. Ah non, c'est vrai que non, toi tu veux. Alors, en fait, c'est plus clair. Tu vois ce qui est. Oui, en non, fait, t'as raison. Pour voir le 1, 2, c'est plus clair que ce soit aligné à gauche. Ouais. Alors que si c'est centré, on aura du mal à voir le 1, 2, 3. Ouais, bah oui. Merci, Grébi, d'avoir regardé. Bah, je sais ouais, pas. Peut-être qu'en rechargeant Godot, ça changerait, tu vois. Parce que déjà, là, dans l'éditeur, ça fait des trucs bizarres. On va voir, à voir. On verra plus tard. On verra plus tard. Donc notre système de dialogue, pour l'instant, il ressemblerait à ça. Sachant que les dialogue choice, comme on a dit, hein, ça sera très probablement des dialogues, des choix, qu'on, des scènes à part qu'on instancie ouais. Là. Alors, est-ce qu'on est obligé d'instancier une scène ou est-ce qu'on peut pas juste... Non, je pense qu'on peut créer directement le nœud, hein, tu vois, tout en code, quoi.
plutôt que de s'embêter à créer une scène à chaque fois, tu vois. Enfin, créer une scène, c'est très simple. Tu crées une scène vide, et après, tu fais dans le script, tu fais un load, un préload. Oui, non, mais bien sûr. Mais toi, montre. Autant pour une scène, je vois l'intérêt. Tu vois, autant tu fais pour ça. Un nœud. Bah, oui, non, mais. Ouais, mais pour. En fait, c'est un nœud, mais qui va avoir un signal pour. Ça, c'est un nœud complexe. Quand on va cliquer dessus, il va renvoyer un signal pour dire quel choix on a choisi. Ouais, pas faux. Non, c'est un nœud, effectivement, entre guillemets, esthétiquement. C'est juste une ligne. Ouais. Mais derrière, c'est un bouton. Donc, il va renvoyer des signaux, il va... Donc non, je pense que... J'ai rien dit. Je pense qu'une scène sera plus... Et franchement, charger une scène, c'est pas compliqué. Hein. Oh. Tu déclares ta scène et puis tu fais... deux trucs là. Très important truc que j'ai appris, il faut l'instancier avant de le créer en child. Parce que sinon tu ne peux en faire qu'un seul. Parce que sinon ça te fait un bug, il te dit l'enfant il existe déjà. Si tu l'as pas instancié. Alors que si tu l'instancies, tu peux faire autant de child que tu veux. Ok. Tu vois par exemple pour m'aider, au départ j'avais oublié cette ligne. Alors, disons que je l'avais pas mis ici, je l'avais mis dans le ready. Ouais. Donc je pouvais créer qu'un seul dé. À chaque fois que je voulais créer un deuxième dé, il m'en créait pas de deuxième parce qu'il me disait le nœud existe déjà. Et donc en fait c'est pour ça qu'il faut l'instancier à chaque fois, comme ça il peut en créer un nouveau avec un nom supplémentaire, c'est il rajoute un numéro. Et si tu l'as pas instancié, il rajoute pas de numéro, donc il crée pas d'enfant supplémentaire. Bref. Alors. Là, il nous manque... Ah non, le bouton, je l'ai créé. Par contre, il a pas de texture et il est pas au bon endroit. Le petit bouton pour Next, je le mettrai bien là. Et moi, c'était une question que je voulais poser tout à l'heure, que j'ai pas posée. Est-ce qu'on se garde un endroit ou est-ce qu'on prévoit un endroit pour fermer le dialogue? Carrément. Non. D'accord. Ah, non, je dis ça, non. Je suis catégorique. Non. C'est non. Non. Alors non, j'argumente un peu. À partir du moment où on va avoir des dialogues qui vont avoir des conséquences, tu sais, comme dans notre arbre là que tu nous as trouvé. Oui, bah oui, c'est vrai que si on ferme quitte en plein milieu, c'est la merde. Non, c'est tu reviens dans l'état où t'étais avant. Ouais, mais en termes de, tu vois là, ce qui était sympa dans le truc que tu nous avais montré. Attends, si je le retrouve. Ce qui était sympa, par exemple, dans le truc que tu nous avais montré, non, ça n'apparaît pas. Non, là, ça apparaît pas. Mais imaginons, le mec, il te déballe son histoire pour la première fois. Salut, je m'appelle machin. J'ai perdu mon collier. C'est un collier super important de ma maman, tout ça, tout ça. Et tu lui dis non, ça m'intéresse pas. La deuxième fois que tu vas le voir, tu peux lui dire par exemple, il peut te dire ah, tu te souviens, je t'ai parlé de mon collier. Okay, c'est vrai que la dernière fois, t'as pas voulu le prendre, mais cette fois, enfin le chercher, mais est-ce que cette fois-ci, maintenant t'as le temps de le chercher. Ça, tu peux le faire que si le gars il est allé au bout du dialogue. Parce que si le gars il coupe en cours de route, la prochaine fois que tu vas parler, il va s'entendre hey, salut, on se connaît pas. Alors qu'en fait, on se connaît, tu vois. Il se retape tout le dialogue. Donc, pour juste l'esthétique du bidule... Ok. Je... Non, mais pas de... Par contre, ça veut dire que ça implique que toutes nos quêtes, à chaque fois que... Enfin, tu vois, faut qu'on ait une possibilité de sortir, tu vois. À chaque choix. Comment dire ? Non. Oui. Non. Non, tu sais, il y a des gens dans la vraie vie, c'est des pots de colle, t'arrives pas à les arrêter de parler. Tu peux pas quitter un dialogue comme ça, comme tu veux. Non, mais j'en connais, je ne citerai pas de pseudo, connais. Il n'y a pas la croix, quoi. Tu peux pas couper court. C'est ça le bonjour, ça va ? Au revoir. Donc le petit bouton, comment on le fait? T'en as pas déjà?
Un petit bouton? Non, mais t'as une croix. T'avais pas une croix dans tes icônes de souris? Les curseurs de souris, ouais, ouais. Mais... Non, mais ça te fait une base. Ouais, mais c'est pas du tout pareil. Alors, attends. Curseur. Non, j'ai pas de croix. C'est un moche, on pourrait le virer. C'est rigolo tout ça. Mais non, je n'ai pas de petit bouton. Alors après, on le fait dans quelle forme? Le classico classique, c'est un triangle. Ah oui, oui, non, mais pourquoi je te parais de croix? J'étais resté sur mon bouton de... Pour fermer le dialogue. Eh ben non. Allô? Oui, excuse-moi. Oui, non, mais classique. Donc un triangle? Ouais. En général, ouais, un triangle vers le bas, c'est le classique. Après, pour l'instant, je le fais tout simple. Mais après, en général, tu sais, c'est animé. Ça fait un ouais, petit... bah oui. Alors, vers le bas ou vers la... La droite. Droite. Alors, sachant que... Est-ce que t'as de modifier l'option? Parce que dans les options des riches rebelles, tu as déjà la possibilité d'avoir un ascenseur quand t'as trop de texte. Ouais, mais j'aime pas. Moi non plus. C'est pour ça que je me pose la question si t'as bien désactivé l'option. Ouais, je crois que j'ai désactivé. Alors en fait, après, tu peux il me semble que tu vas pouvoir configurer l'ascenseur et tout, mais bon, on n'est pas à ce point-là, quoi. Pour l'instant. Dès que tu peux, tu repasseras sur Godot, s'il te plaît. Ah oui, pardon. Même pas sur Godot, je suis en train de faire ma... En plus, ouais, dans l'enfant, voilà. Pratique, c'est son miroir, mais t'as rien pour faire ça. Ouais, là, pour le coup. Carrément. Un diamant, quoi. Ça fait un bouclier, ça. C'est vrai. Juste avant que tu fasses ton trait pour un bouclier, je trouvais que ça faisait mince. Ah, comment ça s'appelle? Prume. Mais tu sais, les prumes, comme les stylos à prume, quoi. Un énorme merci Makio pour son 14e mois de sub. Bonsoir, comment allez-vous? Comment ça, il y a des pipelettes dans la verrerie, à chacun sa croix. Et merci à toi. GG. Merci beaucoup. GG Makio et bonsoir à toi. Makio qui doit débaucher comme c'est là. Peut-être pas quand même, mais pas loin, je pense. Hop, icône. Je sais pas pourquoi je l'ai faite comme ça. Ouais, non, mais. C'est pas terrible. Je pense que. Ah! Mais je pense que Makio, tu peux repasser à chaque fois. Si à chaque fois que tu repasses, tu gâches un sub, je pense que Oran il sera content. Hein. Voilà, tac. C'est pas mal comme ça. Je sais pas à quoi ça ressemble, hein, mais.
ça ressemble. Là, je te vois, là, j'avoue, je commence à fatiguer. Alors, attends, après, si on fait un truc un peu plus régulier. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ouais, c'est plus régulier, ça. C'est plus mieux. La symétrie, c'est vraiment bien, quand même. Comme dans Minecraft. J'utilise la technique de Minecraft. Bon, écoutez, on va garder cette texture de bouton là pour l'instant. Ouais. Parce qu'elle est pas elle mal. Elle est pas si pire. Je sais pas quoi ça ressemble, mais ça fait un bouton pour passer au suivant. Écoutez, voilà. Alors, save as. PNG. Donc je l'appelle comment? Dialogue. Button. Skip. Non, c'est pas skip, hein, c'est next. On avait dit ça comme ça, hein, dialogue button next. Ouais, je crois. Next button. Allez, où? Oh. Ah, là j'ai mis une majuscule et du coup il me le met au-dessus. Ah. Alors attends, texture. Normal. Hop. Pourquoi il a cette texture? C'est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais peut-être un peu sombre. Attends, je vais le rouvrir le dialogue page parce que j'ai. Hop. Oh. Bah non. Pourquoi il a toute cette taille là? En pratique, le plus jeune des boutons. C'est le Benjamin Button. Oui. Pourquoi la... Pourquoi? Pourquoi la taille est pas la même que celle de la texture? Alors, gros... Rect. La position size. Alors, size, normalement, on est sur du 32 par 32. Ouais, c'est pour ça. Voilà. Mais la même texture. Hop, ce qui donne. C'est un peu sombre. Ouais. Peut-être reprendre. Un peu plus marron, non? Ouais, par là, ouais. Éventuellement, ouais. Bon. Soit les marrons, soit les autres jaunes qu'on avait, toi, les autres. Sachant que normalement il n'y aura pas de bouton comme ça quand tu auras des choix. Oui. Ça c'est juste oui, pour ouais, aller ouais. La suite. Donc voilà. Bon. Top. Donc si on fait plus marron. Pas très beau ce marron là. Non, moi je serais reparti des couleurs que t'avais complètement à gauche, en fait, toi la deuxième sur un ligne où t'étais, mais voilà, c'est ça, plus deuxième et troisième. Toi. Ah, mais là, pas convaincu. Ouais, non, mais après, c'est des propositions, je peux dire que. Bien sûr, bien sûr. Et si tu fais l'inverse, ah, si tu pars peut-être. Sur.
Ouais, je suis pas convaincu. Et si tu pars à l'inverse, en fait, que tu fais un fond plus clair avec, tu vois... Un petit truc plus foncé. Ouais. Celui-là, il est pas mal. Je regarde ce que ça donne. Oh. Un simple bouton en stone. Oh, quelle est bonne, cette idée. Avec un petit clic. le son de Minecraft. Ouais. Après... C'est quoi dans Minecraft sur les... Sur les parchemins? Il y a un bouton. Il y a une flèche. Minecraft donjon, tu veux dire? Non, non, Minecraft, quand t'as un livre. Quand t'as un livre... Ah oui, t'as raison. Il y a une flèche toute faite. Bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Tu dis ça vite, mais... C'est une flèche. Ouais, puis ils sont comment les livres? Bah oui, mais en fait on s'embête depuis tout à l'heure, mais Alors, dans Sama, si tu reprends les fichiers du Sama Faceful, ouais, si que j'étais en train de regarder. Assets Minecraft Texture G8 pour bouton pour livre. Et donc tu as le book. Ah ouais. Ah ouais. Et après, les flèches, tu peux les trouver dans les ressources pack. Oui, non, mais il y en a d'autres de possibles. Peut-être d'autres flèches, en fait, plus triangles, tu vois. Non. Après, là, il y a des couleurs, clairement, que moi, j'ai pas dans ma palette. Hein ? Mais on reste dans la couleur, dans la palette. Et si je prends... Les vraies textures. On est sur les mêmes couleurs. Ouais, je vois. Ah, voilà, je... Des fois on s'embête. Alors regarde, j'en ai des boutons là, des flèches toutes simples. Bah oui, non mais voilà, c'est ce que je te disais en fait, c'est ce que je voulais te dire. Je les ai vus autre part, moi je les ai pas vus là, je les ai vus autre part, mais... Pareil qu'un jour on cherche des bulles, on a ce qu'il faut... Alors tu tournes en mode, le droit devient le bas. Ah oui, si tu tournes, en fait, si tu tournes de 90 degrés, toi, si tu fais la rotation. Ouais. T'as ton bouquin. On a notre zone de texte. Tu vois. Ouais, la redimensionner, mais... Oui, non, mais redimensionnement près, mais on a la zone de texte, en fait. Puis ça choquera pas. Tu vois, c'est... Puis c'est pas choquant dans l'univers où on est, tu vois, quoi. Oui. Ah, est-ce qu'on garde le... Est-ce qu'on garde la... Je fais une geste, mais... je suis en train de chercher comment ça s'appelle. En gros, le truc rouge en haut, quoi. Oui, voilà, mais... Non, moi, je pensais couverture en cuir. Non, mais enfin oui, moi je pensais pas forcément aux couvertures, les petites lignes là. Aux lignes, non. Ça c'est moche, j'aime pas. En fait,
Parce qu'en en fait, c'est la reliure, voilà, c'est ça, merci. Mmh. Je trouve ça pas très beau. Oui, pas grave. Oui, mais je faisais le geste de boss, en fait, avec mon doigt, mais personne ne me voyait, donc... Ouais, à voir. À voir. Mais en tout cas, voilà, ça peut être une... Mais en fait, là, on est vraiment ouais, sur une palette différente. Là, on a un dégradé, je crois, de couleur. Ouais, je sais pas léger trop. Dégradé. Faudrait vraiment zoomer pour avoir le pixel, mais... Bouh ! Nickel. T'étais pas grand au début, le live, nickel. Mets-toi dans les... Ah, les boutons sont vachement plus fins. Et que ça ouais. Ouais. Oui, bah, ils sont... bah en fait ils sont en train de pixels quoi. Ils sont plus détaillés. Bah, ils sont en 64, pardon. À jouer à souris par exemple. Pas très belle. Non. En fait, grosso modo, l'interface est pas très belle. Hein, quand même. Faut le Minecraft, reconnaître. Non. Hein, Minecraft basique, non, c'est vrai qu'il est beau. Ah oui, d'accord, ok. C'est gentil, mais ok. Je pensais qu'il avait dit bonjour en début de live, c'est pour ça que je. Ouais. Bon, à voir si on reprend celle de Minecraft. Après, j'aime bien la nôtre, hein, en fait. Ouais, non, mais ça c'est parce que la nôtre, elle est hein. Cohérente avec nos petites fioritures, là. Donc, à voir, on pourra tester. Mais pas ce soir. Par contre, la petite flèche, elle est pas mal, hein, finalement, la petite flèche, celle-là. Là. Ça marche, en fait. Ah, je parle oui, de... ça, là. Ouais. Oui, Minecraft, ouais. Et dans Minecraft Dungeon, on a des petits boutons comme ça. Alors, qu'est-ce que j'avais en interface dans Minecraft Dungeon, moi Où est-ce que j'ai mis ça? C'est sur tout ça. Là, il n'y a pas de bouton à part la croix pour fermer. Ouais. Non. Là, il y a le petit cadenas. Ouais, en fait, non, tu fermes la croix, en fait, parce que tout est à cliquer autrement dans Minecraft Donjon. T'as pas de zone de texte, tu vois. T'es pas amené à... Et puis, de mémoire, tout ce qui est inventaire, c'est du scrog, autrement, tu vois. Enfin, toi, c'est l'ascenseur, quoi. Bah, là, t'as des flèches, tu vois, quand même, pour tes sous-titres. Ah oui, c'est de tout, vraiment tout. C'est bon. Ouais. Voilà, là, une puce comme à tu. Une puce comme à tu. Oh, non. Non. Mais non, tu vois, il n'y a pas de flèche, quoi. À la sélection, tu vois, elle est sympa. Ouais. Elle est pas entière et. Ouais. Ah oui, bah. Tu me redonneras la date en 2022, Michael. Mon calendrier s'arrête en 2021. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Bon, on va laisser comme ça pour ce soir, je pense. Bon, on n'aura pas fait grand chose ce soir, on aura juste fait ça. Mais ça nous a permis de créer l'architecture globale
Des nœuds, très simple. Non, mais puis on a surtout réfléchi. On a surtout réfléchi à comment. Comment on bossait derrière, quoi. Il y a ça aussi, tu vois. Donc après ça, c'est une sorte de squelette qui sera modifié par quelque chose qui va avoir, qui va contenir tous les paramètres en fait. Il contiendra la texture, en tout cas un moyen de trouver la texture, soit directement l'adresse du fichier à charger, soit un code pour savoir quelle texture charger pour les portraits, qui contiendra le texte, qui contiendra le nombre de choix et les choix, et qui contiendra aussi la page suivante en fait, enfin un moyen de trouver la page suivante quand on clique là-dessus s'il n'y a pas de choix. Un sacré truc. Et c'est là que ça va être coton. Ah, il y a un peu de taf encore. Ouais, et puis de réflexion à mener pour savoir vraiment comment on fait. Parce que, donc là, on a une page. Mais est-ce que chaque page, on fait... Ouais, j'avais dit chaque page est un nœud. Et une scène complète, c'est le dialogue complet, en fait. Mais en fait, ça marche pas avec les quêtes. Ouais, non, c'est. Parce que pour les quêtes, j'avais dit une quête est une scène. Et un nœud est une étape. Donc en fait. Sauf que tu peux. Mais du coup, un nœud était censé contenir. Bah, on remarque, dans Godot, on peut mettre des nœuds dans des nœuds. Hein. Donc un nœud pouvait contenir plusieurs nœuds de page. À rediscuter, à tête reposée. Et après, le truc, c'est qu'il faut réussir à avoir une structure répétable facilement. Yep. Tu vois, il faudrait presque une quête de base. Vide, ouais, bah oui. Mais complète, et qu'on la duplique à chaque fois qu'on veut créer une nouvelle quête. Ouais. Vous pouvez répéter doucement votre volonté. On va monter d'aller dormir. Bon, après... Je présente, mais... Non, mais pas de soucis. Après, de toute façon, là, on va s'arrêter là, vu l'heure qu'il est. Du coup, pour l'instant, on a un rendu, voilà, qui est correct. On a un petit souci sur le lignage, faudra voir. On n'a rien configuré du tout d'interactif, mais voilà, on a posé les bases de ce à quoi pourrait ressembler une première fenêtre d'affichage d'un dialogue. C'est vraiment le début du début. Et puis petit à petit, on va construire autour de ça pour commencer à créer des choses. Peut-être cette dialogue page, on va la charger, la modifier après derrière. Ouais, c'est ça. Et on va lui injecter tout ça. Et puis on verra après comment... On gère. On va faire ça.
T'aimes bien le Bordeaux Papyrus? Bon bah, impeccable. C'est ce sur quoi on a pris le plus de temps, on va dire. Après, on verra si on reste là-dessus. Avant, juste à la, avant de se, de réagir juste à la fin du live, on aurait pu repiquer le bouquin de Minecraft. Ouais. Bon, on verra si on garde ça ou pas. Bon, et bah écoutez, les amis, on va se quitter là-dessus. Écoutez les sons, c'est bizarre. C'est le chat aussi qui nous embête à ouvrir toutes les portes, à les fermer. Bref, à mal les fermer. Du coup, on va se laisser là, les amis. C'était bien sympa. Et puis, on a quand même avancé, on a posé des bases de réflexion. On se retrouve donc pas demain soir. Demain soir, j'ai une session de jeu de rôle. Donc, on se retrouve dimanche soir pour du FTP. On continuera Feed the Patrick. La semaine prochaine, je ne sais absolument pas quel va être mon planning encore. Il faut que je réfléchisse. Donc, je ne sais pas si on refera du AstroTerre la semaine prochaine ou s'il faudra attendre 2 semaines. On verra bien. Bon, c'était très sympa. Merci à vous tous dans le chat. Merci Mimich, bien sûr, en vocal. C'était très chouette. Mais toujours. Et puis, on se retrouve donc dimanche soir. Bon week-end à tous. Bonne soirée et bonne nuit. Je vais faire un petit raid quand même. Ciao. Qu'est-ce que je raid? Voyez à ML sur du Ragnamod. Allez-y. Red ML 2G. C'est comme ça. Ok. Hop. Et voilà. Hop. Et bah bonne nuit à tous. Et à dimanche, bon week-end. Ciao, ciao.